tu as Bref. toi dans les warms, tu vas être ma priorité. Ah, ça y est. En plus, Prendre. Oui, en plus. comme tu es un débutant, je vais me faire une cœur joie de t'éliminer de façon cruelle. Mouah. Aïe, Qu'est-ce que aïe, je disais? aïe. Je passe pas ma vie dessus, moi. Ah bah, tu passes ta vie sur Dead of Tentacle. Chacun ses jeux. Hein. Ah oui, parce que le truc est... D'accord. Alors, moi j'ai mon chat, c'est l'essentiel, donc je peux voir ce que vous me dites. Normalement, ça doit être correct. Cool, on voit le nombre de FPS. Oui, non, Oh mais ça c'est... ben. On s'en fout pour un jeu comme ça, il y a plein de fans, c'est n'importe quoi la FPS là-dessus. Oui, c'est un gadget de Steam, justement. En surimpression. Mais ça va mon retour signal parce que je vois plus que mon chat sur mon écran secondaire. Ben, ils disent rien sur ton Secondaire. chat. Bon, on Ils va disent se lancer. rien sur le chat et je vois juste marqué qu'il y a marqué 60 images par seconde avec l'image du jeu. C'est tout ce que je vois. Bon, bah, c'est correct. Mais Alors. bon, j'aimerais bien voir le menu, hein, du jeu. Ça arrive, ça arrive. Moi, je Ça vois arrive, rien, ça hein. Faut arrive. me dire où faut aller, hein. Il faut que tu ailles sur les deux WAMPS là avec un ordinateur. Après, tu vas sur les deux WAMPS avec le satellite. Ah, mais tu y es, toi? Je suis bête, pardon, excuse-moi. Je te dirai après. Excuse-moi, tu y as été déjà, ça va. Donc là, après ça, il faut attendre que le sage organise la partie. Après, tu verras, il y a une partie qui s'appelle LSDN. Oui, Avec je un sais. cadenas, il faut appuyer dessus. Il faut marquer un mot de passe. Voilà, une vraie secrétaire, dis donc, là, ce qu'on entend, dis donc. Oh là là. Bah, je t'aide, tu devrais être content. On dirait le mec qui fait les discours de Macron, qui sous-titre en direct les discours de Macron, là. C'est Ah, ça. on l'aide. Et merci le remerciement. Bah, prochaine fois, je te démerder. Hein. Bien le bonsoir, bien le bonjour. Bonjour, alors c'est plutôt bonjour. Ouais, bonjour. Bonsoir. Quoi, le mot de passe, c'est coucou? Ah, Voilà. mais il y a un truc à parler. Ils Comme sont ça, bons. tout le monde le sait. Oui, fan. C'est qui ces PU1 là? C'est un Ah oui, ordinateur. merde, c'est moi qui ai eu un réflexe, tu vois, parce que je me suis fait un entraînement et je me suis programmé mon propre mode. J'ai suivi ton conseil, fan. J'ai pris un peu de temps hier soir et je me suis fait un mode incendiaire. On le testera peut-être le temps d'une partie tout à l'heure. Vert à l'envers. C'est Ah moi. ben, avec Bastos qui s'appelle les Verts, ça sera un très bon. Alors, il nous reste à aider Dragon Sky, ce serait bien qu'il vienne dans la vocale pour Ouais. prendre les documents. Je lui dire de passer. Bah non, il peut pas passer, ça sert à rien. S'il passe, il passe. Faut qu'il reste. Tu es très en forme aujourd'hui. Abusé qu'il y ait une note, hein. C'est magnifique. Hein. Voilà, j'ai envoyé le message. Monsieur Dragonski est demandé à l'accueil. C'est Bande ça. d'excité! Attends, j'ai mon Taille! idée. J'ai mon idée de bordel encore. Ouais, ça fait pas 5 minutes, c'est Jack Boxon. C'est ça qui est bon! Attends, il faut du coup, je regarde est-ce qu'il est dans la. Ah putain, le fait que j'ai le jeu qui est dans une très mauvaise résolution m'oblige à me. Alors, est-ce que Dragon Sky. Est-ce qu'on peut envoyer un message à Dragon Sky dans le groupe, s'il vous plaît? Oui. Me semble Non. qu'il y a une paire qui soit là. Non, Non? Bon. non. Merci, Edge. Non. J'ai envoyé un MP, mais.
MP, c'est Mary Poppins. Ouais. Non, c'est Magic Plouf. Alors, je tiens à vous prévenir, ne m'envoyez pas des messages privés maintenant, que ce soit sous Discord, Twitch ou Steam, puisque je ne pourrai pas les voir. Si je sors de mon écran principal, je fais sauter complètement mon montage graphique, donc je ne vais pas en sortir. D'où l'intérêt d'avoir deux PC. Bah là, oui. Je vais lui Parce que envoyer j'ai... un. Vas-y. Je vois que j'ai un message qui clignote sous Steam, mais je ne pourrais pas le consulter puisque ça va se voir. Ah, tu peux regarder depuis le téléphone. Ah bah non, du Ah, bah tout. si. Non mais je te le dis tout de suite, hein, il n'y a pas d'application à la noix tierce sur mon téléphone. Il bug déjà suffisamment en temps normal, alors... Puis envoyer un message sur FB. Bah Pour sinon, on vous part un dire... 4, hein. Le dernier bug que j'ai eu sur mon téléphone, j'ai envoyé un SMS à un correspondant. Un SMS. En gros, on va dire qu'il était 15h. Il a reçu en 4 exemplaires. À 20h, 21h, 22h et 23h. Cherchez l'erreur. C'est bien ça. Au moins, il est sûr Ah de ouais. l'avoir. Harcèlement. Harcèlement télécom. On fait du spam. Ouais, c'est Le spam de ça. no le spammeur de Nancy. Il est bête. Bien Voilà. malgré En moi. fait, c'est toi qui as qu'a mis en captivité la femme et qui l'a. Hein, c'est Oh. toi, en fait. Hein. Non mais c'est vrai que c'est dingue, hein, ce fait divers horrible, glauque, mais ouais. Ah, ça n'arrive pas, ça marche pas, il m'a dit. Ah, merde. Oh là. Ah, qui met des piles. Mais pourquoi il a parlé de Epic Games? Il a une version GOG. Oh là là. Oui, invite-le à lancer GOG et à faire la nique à Epic Games. Il le met au placard, Epic Games. Ce sera pas pour aujourd'hui. Mais il n'y a pas qu'Epic Games ou GOG dans la vie, hein, attention. Je crois que Worms Armageddon est un peu partout. Utilise la version GOG, je lui ai dit. Il me dit que le pseudo est pris. Eh ben, mais quel rapport avec le pseudo? Tout le monde peut prendre n'importe quel pseudo sur Worms. Oui. Peut pas venir. Ah, ok. Iboud? Il est pas sage, il a pas rangé sa chambre, il fait ses devoirs. Bon, on va jouer sans lui, tant pis. Bon, bah on va faire une première partie, puis on va voir s'il arrive à se débrouiller entre-temps. Je vous l'ai dit, il faut pas qu'on se prenne la tête. Relax, que du plaisir. Japon. Merde, ça commence. Ah, il nous a fait une Bastos. Comment ça? Bastos, il a mis les mêmes trucs de verre aussi. Les mêmes noms, les mêmes machins. On va s'embrouiller entre les deux. Heureusement que. Ah, il Japon. a dit, ah si, c'est bon. Il le fait exprès. Il le fait exprès, c'est pas possible. Il aime bien. Oh En attendant des forces, qui a une connexion pourrie? C'est Twinset. C'est moi, c'est pas la connexion, c'est l'ordi qui est pourri. Ouais. Ah ouais, si ton ordi n'est pas capable de faire tourner Worms, c'est chaud quoi. Ouais, Non, quand même. la carte est jolie, je la découvre. Ah, c'est avec la meumeu. Ouais. Meumeu. Meumeu. Meumeu, Ah, Louis. Louis. Marcel et son orchestre. Waouh, je me fais déjà zigouiller. Oh bien. Ah, à moi de jouer. Sage ancien. Ah, t'as changé. Oui, je me suis fait un autre groupe aussi. Ouais. Pour changer un peu les noms. Merde, mais j'ai pas réussi à... Ah. C'est un enculé ou quoi là? C'est du quoi là? Ouais! Mais On pourrait croire! C'est horrible. c'est quoi ça? C'est un 69 ça? C'est quoi? C'est. Je sais pas. Mais c'est vrai que c'était indécent. Est-ce qu'il est sur le chat, Dragon Sky au moins? Oui, je l'ai vu sur mon chat. Ouais. Ouais, Là, je peux mais. pas... Au moins pendant qu'on fait la partie, au moins. Bon, tant pis. Allez, hop. De toute façon, c'est Ouais, offert par la Camille. maison. Kamikaze. C'est ça.
Japon. T'as fait le champ Ryuken de Street Fighter. Il avait pas dit qu'il serait avec nous. Il avait dit. À partir de 16h, Froboz nous rejoindra. On fait donc les premières parties sans lui. Ah, il partira à 18h45. Il a un agenda de ministre bien planifié. D'accord. Ministre de quoi? Du divertissement et des félins sur Nancy. Voilà. Il en fait exprès dans le Sky. Il voit pas qu'il y a une troisième vocale, on est tous. Parce qu'il dit qu'il est sur la vocale du serveur du sage, mais je sais pas pourquoi il a pas pris la bonne en fait. Direct Twitch. Cette circonstance. C'est le nom du salon audio, direct Twitch. Il y a que le sage qui pourrait le déplacer, mais je vais lui dire. Ah, je crois qu'il a compris, je crois qu'il arrive. Ah. Attendez, je suis en direct sur mon téléphone, je suis le reporter envoyé spécial. Alors, voilà, ça fait des dégâts par ici. Du coup, je vais regarder mon retour sur ma tablette, histoire de me faire une idée que tout va bien. C'est qui, Netherland? Oh le fou! Au moins un. Oula, le portail qui a été consumé. Wow. Johan, Dragon Sky? Non. Ah. Non, il est toujours pas venu. Je sais pourquoi il comprend pas. Même. Direct Twitch, il faut que t'appuies dessus. Ah! Mais peut-être qu'il peut pas venir, le stage, si tu lui as pas donné un rôle de VIP ou un truc comme ça. Okay. Ah ouais, alors, il a pas le rôle de VIP. Et puis effectivement, d'accord, pardon, attendez. Ouais, il a pas de rôle de VIP. Ah, c'est pour ça qu'il peut pas venir. Hein. Attendez, ça va s'arranger. Bah, fais ton tour et après tu lui donnes le rôle. C'est ça, t'as tout compris. Bon, pour une fois, c'est pas sa faute totalement. Ouais. Oh, dans les cornes. Alors attends. Est-ce qu'il s'appelle prendre le taureau par les cornes? T'es où, Dragon Sky? Tu es là. T'es où, mais t'es pas là. Voilà, je t'ai anobli, tu peux venir. Voilà, bien joué. Bienvenue à toi. Bienvenue dans Dragon Sky. Ah, c'est à moi. Ok, c'est à moi. Oh, Nihao! Salut! Salut, salut. Merde! Oh, c'est pas grave. Ça marchera quand même, mais. Japon! Bon. Dragon Sky, tu en es où au niveau du jeu? Est-ce que tu arrives à le faire fonctionner, pas le faire fonctionner? Si c'est bon, j'ai pu faire fonctionner. Ah, oula. Mais je suis en train de voir mon retour, vous voyez pas grand chose en fait. Ouais. Faut que tu bouges avec la caméra. Ah oui, j'ai mal cadré. Super. Ah là, c'est à toi de jouer par contre. Ouais, donc, mais merci. Voilà. On termine la partie et on en recommence tout ça avec toi. Le jeu, t'as pu le démarrer et tout sur le menu du jeu? Ouais, je suis sur le menu du jeu. D'accord. Donc là, je te dis, tu regardes le stream. Parce qu'on va pas. Ça va pas durer longtemps cette partie. Mm-hmm. Ok, tu veux la guerre, Twin Sen. Excusez-moi pour les sous-images, mais il faut que je fasse des tests de calibrage. Vas-y. On te dira quand ça sera à toi de jouer. Oh non, pas la musique du mec qui est torturé par une sorcière. M'énerve cette musique. Ouais, tu l'aimes pas celle-là, ouais. Non, elle m'énerve. Depuis peu, elle m'énerve. Elle me fait un traumatisme. Oh, je vais me faire gicler, moi. Oh, que la pente est glissante. Comme ça, tu auras tout le temps de faire tes modifications. C'est pour te donner. C'est dégueulasse. Ils m'ont éliminé.
C'est honteux. Ah, on te rend service. C'est ça. On est des humanistes à notre façon. Oh, quelle horreur. Ils s'appellent être de droite. Venir de droite. Rire de droite. Mais y'a rien là-bas, qu'est-ce que tu fous là? C'était pas que quand tu as l'arc, tu ne peux tirer que. Tu peux pas changer d'arme avec les armes en boucle. Donc, comme je peux pas m'en débarrasser, je la tire dans l'eau. C'est déjà beaucoup mieux. Je crois que ça va être un duel entre moi et. Excusez-moi. Mais vas-y, profite-en. Ouais. À moins que Twinsen m'élimine. Comble. Mais je t'avoue que tu n'es pas ma priorité. Parce que sinon, si je suis comme ça... Il y a une menace qui est deux fois plus grosse que toi. Je parle d'un jeu. Après, je sais pas en matière de poids qui est le plus gros, on peut aider. Ah, mais j'ai encore Charlie, moi. J'avais oublié mon petit Charlie. Allez. Charlie. Je crois que je vais pouvoir me contenter de ça, c'est pas mal. Ouais, tu dois l'éliminer en priorité. Oh, je perds un petit peu la barre noire au-dessus. Mais je pense franchement qu'une fois que Dragon Sky aura fait les tests, je pense qu'on peut le faire dimanche prochain sur mon antenne. Mm-hmm. Je ferai sauter mes rétro PC. Faudra peut-être que je te prenne 2 heures le sage, parce que je peux te faire une partie au moins de 5 heures. Alors tu me prendras tout le temps que tu voudras et je t'en informerai dans le détail ce soir ou demain. Mais le week-end prochain je serai pas là. Donc tu pourras faire un dimanche complet si ça te chante. Y'a pas de soucis. Oh bah non, si t'es pas avec nous. Bah, c'est pas grave, si vous êtes tous là en dehors de moi, vous avez largement de quoi vous amuser. Bah sinon on prendra samedi prochain. Sinon on prend ce samedi dans ces cas-là, c'est pareil. On verra. Mais mon agenda va être lourd la semaine qui arrive là. J'aurai même un mal de chien à faire ta modération en fin de semaine, Fanfan. Je te redirai, je te mettrai dans la confidence ce soir, t'en fais pas. Attends, on le planifie sur la semaine d'après. Ah non, t'es une pièce maîtresse, tu dois être là. T'as eu chaud? Ouais. Charlie, il fait des dégâts. Je suis content de mon cadrage. Moi, c'est bien. Ça me surprend de quoi, Edgy, que tu l'as pas déjà éliminé. Là, normalement, vous avez les infos principales de vie Chazal. En bas des vies en bas. Bon, vous avez pas le vent, vous avez pas les chronos de mort subite, mais bon, tant pis. Au pire, on vous le dit oralement. Et vous avez principalement l'action à l'écran, donc c'est bien. C'est nickel. Vous serez tout. Ah, fallait prendre en compte la physique. Ah, bah, tu t'es éliminé tout seul. Ce que j'avais dit est arrivé. Et sinon, si on parle vite fait catch, tu as regardé les résultats, tout ça, ou pas du tout J'ai juste regardé les résultats, parce qu'honnêtement, les matchs m'intéressaient pas. Et des décisions compréhensibles et incompréhensibles se mélangent. Ah ouais, comment un MIB qui est la meilleure situation peut ne pas t'intéresser? À cause des participants, il y avait personne qui t'intéressait dans les MIB. J'ai l'impression que maintenant, Money in the Bank, c'est on met des gens, mais juste pour mettre des gens, quoi. Dommage qu'il n'y a pas Bastos pour avoir son point de vue. Bastos, il n'a pas regardé jusqu'au bout, il était trop HS. Ouais. À crever, oui. Merci. Oh, ce rire. Bon. 2 contre 1. Un match handicap. Ah, Tario. Tu fais des coups. Non, mais je sais ce que je fais. Je sais ce que je fais, je sais ce qu'il va pas faire. Ah, j'avais pas prévu qu'il pouvait se téléporter.
Voilà pourquoi je me protège. Ah, en fait, FunFan, je t'ai fait un clip. Ah oui, ok, j'ai compris. C'était de hier avec quand j'avais sorti la grosse vanne sur les rats. Ouais, c'est très gentil. Il y aura la version clip, mais je ferai un temps fort demain parce que le lundi, c'est la journée où je fais mes clips, mes montages, mes machins. D'accord, ça marche. On croit que je fais rien, mais que je joue. Non, pas du tout. C'est que le lundi, c'est une journée de montage en général. Sur YouTube, Et aussi pour YouPorn, t'as oublié. Oh. Oh là là. Il est productif, notre FunFan. Ouais, c'est une piscine, hein. Faut bien qu'il y a. Tu m'as joué, c'est pas grave. Je me rattrape pas au tour suivant. D'ailleurs, t'aimes bien les Worms? Oui, ça va. Ah, bonjour, ça va être Frobos. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour. Termine une partie, on vous rajoutera Frobos. Ouais, pas de soucis, je peux attendre. Bonjour. Ouais, coucou Frobos. Eh merde, putain. Ah. Ça, parce que le niveau des vaches. Oh, mais c'est le niveau des vaches de Diablo, en fait. Ouais. Ouais, c'est ça. Le sage aime beaucoup Diablo. J'apprécie, ouais. Mais il préfère le Diablo à la mort. Alors, on va recommencer. Voilà. Excusez-moi. J'ai coupé la musique. Non, mais t'inquiète, c'est pas... Nanana. C'est chiant, ça le truc au démarrage du multijoueur, il y a une grosse musique. Ouais, j'avoue. Ah, le je suis allé dans le sens, j'ai mal calculé le sens du vent. Et je suis allé trop vite. Je devrais me servir de ce qui me sert de cerveau, ça serait bien. Ah ouais, ça ne change pas, aller trop vite, ça il sait faire, hein, aller trop vite. Ça. Ah, t'as pas regardé YouTube, hein, pour savoir comment on faisait, hein. Non, j'ai pas eu besoin de YouTube. Ouais, comme il disait FunCan, c'est pas YouTube, c'est Tonton YouTube. Ouais. Oula, chapeau d'une mine, c'est bon. Ouhou. Bah en plus je me suis levé assez tôt ce matin en plus. T'es 7h30. Oh, fallait pas se lever si tôt. C'est pas non, forcément c'est... pour regarder Tonton, mais bon, j'arrivais plus à dormir. Ouais, je te lève, je te couche, hein. C'est n'importe quoi. Oh merde, mon dieu. Si je fais pas le con, ça te va. Il est fier de lui. Oh, un super mouton qui vole. Ah ben. Et c'est FunFun qui a gagné. Donc on va arrêter, on fait la suivante avec Dragon Sky et Probos. Okay, histoire étonnante. Gagner sur une map de vache et terminer avec un mouton, ça reste animalier. Et dans la basse-cour de la ferme. Voilà, c'était la citation. Alors, oui, il faut requitter pour faire un salon, c'est un peu bidon. Voilà. Dragon Sky, alors on va t'expliquer. Ah bah c'est bon, ah carrément t'as trouvé. Très bien. Quand tu verras Dragon Sky qui a marqué LSDN, tu fais rejoindre, voilà. Tu appuies sur et tu marques coucou. Coucou. En minuscule. As-tu compris Dragon Sky?
Voilà. Ensuite, là où il y a marqué nom de partie, non, pardon, nom de l'équipe, tu mets ton équipe in-end. Ah non, je me suis trompé. Voilà. Voilà. Voilà, c'est bien. Maintenant, après, il te reste à appuyer sur l'ampoule de Einstein. L'ampoule d'Einstein. Ouais, la grosse ampoule. Voilà. Ça y est, on n'est pas rendu. Je m'amuse. On peut faire une guirlande de Noël en cliquant plein de fois. Oui. Je n'avais pas prévu que le jeu aurait tellement de succès que tout le monde... Qu'il y aurait plus de monde que... Alors, pour les commandes, je ne connais pas trop, du coup, comme je débute. Alors... Ah, on a trois verres. Ok. Pour faire avancer ton noir, c'est les flèches directionnelles du clavier si tu es resté à l'ancienne. Clic gauche pour avoir tout le panel, clic droit pour choisir une arme. Ah, c'est le gouvernement. Ouais, j'ai mis les chefs des gouvernements de la France et des pays voisins à la France. Ben, c'est pas Borne en France, c'est Emmanuel Macron. Non, mais le chef du gouvernement, c'est le Premier ministre que je mets. Vous allez rire, vous allez rire, les noms de mes verres, c'est... Alors Dragon Sky, il a Tomato gauche, le rat, le rat intello, la cinglinglin. Ouais. Thomas... C'est à toi, Frobos, de jouer. Ah, c'est à moi de jouer, excusez-moi. On attend Madame Borne. Tiens, j'ai tiré un missile. Ouais, j'ai la cinglinglin, le rat intello. Oh bah tiens, j'ai fait voler une fusée. Waouh. Des parents en loupé. C'est à l'image de Madame Borne. C'est bien. Madame Borne a dépassé les bornes en envoyant son mortier à plusieurs bornes. Alors, merci. Bravo, ok, bravo. Elle est validée. Voilà, merci, merci beaucoup. Alors, s'il y a un truc que tu comprends pas à Gone Sky, tu demandes, on essaye de t'expliquer. On est fair play ici. Ouais, du coup. Pour diriger la visée de l'arme, c'est les flèches haut et bas. Et pour tirer, c'est espace. Il a configuré, c'est bien. Là, tu détermines la puissance. Quand t'appuies en la hauteur. Non, la hauteur. La puissance, c'est quand t'appuies longtemps. Voilà. Plus t'appuies, plus ça met de puissance. Et attention. Et attention au vent. Ouais, ça... Sinon, ça me retombe dans la gueule et c'est fini. Bon, là, non, avec le vent qu'il y a, non, mais... Les particules derrière le ciel. Bon, alors là, par contre, loin. Bon, ben ça fait deux. Bon, ben, ok. Deux fois qu'il se retourne. Mais c'est pas grave, tu apprends Dragon Sky. Oui, j'apprends, bah oui, c'est survie. Donc là, on est 6, c'est bien. C'est qui celui qui est en Angleterre là? C'est moi. Johnson, UK, c'est moi. Le premier dégât est enfin donné. Ouais, ils attendent sur moi en plus. Hein. Oh bah, petite santé, tiens. Vous pouvez appuyer sur Tab pour changer de verre, hein, avant de faire le moindre mouvement. Ça va mieux, Froboz Oui, ça va mieux, ça va mieux. Ouais. Ah oui, j'ai demandé si... Ah oui, ça va bien. Tout le monde va bien. Qu'est-ce que va nous faire le sage? Le saltimbanque. Moi, j'ai envie de dire que va nous faire Boris Johnson. Oh, ouais, oh la dynamique. Ça va voler, ça va faire un trou. Oh, je pense que... Oh. Dans l'eau. Magnifique. Après, qu'est-ce qui vient? Oh, il a les calamities. Ah, c'est à Twinsen. Après Twinsen, tu as une arme. Qu'est-ce que... Oh non, la bombe. J'ai pas compris ce que fait Twinsen maintenant, mais... Merci de m'avoir mis une verre. Hein. Un petit dégât. Charlie. Oui, Charlie, bah, on l'a trouvé. Et voilà. Non, mais. Allez. Oh, la violence. Ah bah, la violence gratuite. Hein. Moi, je suis pas là pour faire la figuration. Alors, les verres de FunFan, ils sont. Vert. Vert. Ouais, c'est vrai. Hein. Et c'est long, ils font moisir. Hein. Il y a comme une envie de vengeance, j'ai l'impression.
C'est pas une bonne tactique, mais bon. Parce que moi, je suis sûr de viser juste. À la limite de 44 points quand même. Ah, le rat Intello. Oula. Ouais, Dragon Sky est premier, il n'a pas pris de dégâts. Mais comment ça se fait? Bah, il fait chier. Bah, on est fair play avec les nouveaux. On est fair play avec les nouveaux, ok. Il n'y a pas de bizutage. C'est vrai. Après, tu peux changer d'arme, Dragon Sky, si t'as un clic gauche, tu vois, t'as toutes les armes. Droit. Ou droit, pardon. Clic gauche, tu tires. Ouais, mais il a le binos, alors forcément, tout est inversé. Non. Bon, tu veux garder cette arme, bah vas-y. Scholz, il va voler. Scholz, avec un coup bien placé, il peut voler. Ah, c'est des rochers, en fait, c'est... Pardon. Ouais, c'est des rochers, c'est des dinosaures, en fait. Ah, t'es. Non, c'est magnifique. Oh, ça t'envoie! Hé, Dragon Sky, il joue les coups! Ah bon? Ah ouais, bah t'as une petite. Ah ben. C'est sympa. Hé, même Dragon Sky arrive à faire quelque chose de bien. Je savais. Ah merde, con. Non, un petit creux, c'est bien visé. Oups. Bien Luron va mettre une fessée à Charlie. Je sens gros comme une maison. Mais laisse Charlie tranquille. Ah, je fais qu'un. Mais faut laisser Charlie, il a rien fait. Oh, c'est un innocent. Petit coup de batte de baseball. Ça, c'est trop bon. Oublie pas le double saut arrière, le sage. Si tu veux. Ouais, ouais. C'est fou. Nicolas, entre les deux. La coalition, je sens ça. Qui se met en route. Je vais vous appeler. Ah, un petit molotov. Oh, des le sage, il aime bien les molotov. J'adore faire des messages. Ouais, c'est pas mille cadres. Oh, ça brûle les fesses là. Ouais, on se brûle les fesses. Épilation offerte. Ce qui est bien, c'est que ça dure pendant plusieurs tours. Épilation offerte. Voilà, ça c'est fini, voilà. Je crois que Twinsen peut se suicider en tirant à chaque fois. Moi je m'en fous, je t'inquiète. Verbatim. Je sais plus ce que c'est verbatim. Mais c'est cool des roms. Que tu sois avec nous, Twinsen. C'est cool. Ouais, c'est sympa, ouais. Le chat est d'accord. Oh, je vais prendre un buffet. Attends, déjà le parachute. Non, le parasol. Le paratonnerre. Merde, le combo, j'ai fait ça. Oh non, je voulais sauter. Oh la bêtise. Oh là là, la double bombe. Bon bah là t'es mort hein. Oh ouais. Non putain. Ah bah si, hein. Là tu peux encore. Sois comme éliminé. Ah oui là, je trouve que du camp de l'âne c'est bien approprié. C'est tellement bon. Non c'est pas grave. On apprend. Bah oui. Ah ben. S'il fallait faire attention au feu, Dragon Sky, quand on touche le feu, automatiquement tu perds ton feu. Ah ouais, bah oui, bah j'ai pas vu. C'est pas grave, t'apprends. Le feu, ça brûle, hein, et l'eau, ça mouille. Hein. Le feu, ça brûle. Je sais pas pourquoi ça m'a enlevé le parachute pour me faire apparaître la dynamite. Je sais pas pourquoi. Parce que, en fait, c'est l'arme qui est mise juste après, quoi. Il te met l'arme qui est après, c'était la dynamite. Mais surtout, t'avais pas besoin de parachute en plus. Je comprends pas pourquoi t'as pris le parachute. Je voulais diminuer les risques. Il y avait pas de risque. Oh, la fumée, la mine. Tout ça pour me rendre la monnaie de ma pièce. Ouais. T'as de la chance que la mine n'ait pas explosé. Ouais, faut le buter, le fun là. Vas-y. Allez, là. Faut en faire de la purée, si t'en mets le chemineau. La coalition Steam qui se met en goût. Dingue. Ah, la coalition Steam. La coalition civilisée. J'ai l'impression d'être l'Irak et d'être en guerre de tous. Ouais.
Alors pourquoi tu râles? Je râle pas, c'est toujours deuxième. Non, mais c'est pas toi que je passe, c'est au chat. Ah. Je n'ai pas entendu miauler. Bah, c'est parce que j'utilise un autre micro. Un autre système. Ah, j'ai oublié, quelle andouille. Ah, oui, oui, oui. Oui, oui, je reviens dans deux petites minutes. Tant qu'il peut jouer ses tours, ça va. Ah. On en est là. Oh la poutre. Et Anne. Me revoilie, me revoilou. En fait, le chat, tu sur les genoux. Fortement désolé. Un de moins dans la coalition. Il parle italien, ça John. Ça fait rire. Oui, Johnson, il parle italien. Panini, Pitaiuno, voilà. Como estas? Excellente phrase, pardon, je vous interromps, de Bastos, qui dit « Si Minéral ne lui jette pas la première prière, Pierre. » C'est pas ce que je voulais faire. Oh non. Ah si, c'est ça. Ah, c'est pas grave. Ah oui, je viens de comprendre la phrase. Bastos, quand tu peux venir, viens dans la vocale avec nous, s'il te plaît. À moins que tu peux pas venir dans la vocale. Allez, lâche tes cartons et viens. Oui, il nous rejoindra bientôt. Mais il cherche à jouer dans ses cartons. Il cherche le jeu à Warp. Arrête de jouer avec tes putes de boîte. Dès que Bastos vous rejoindra, je prendrai un retrait comme ça. Il cherche son jeu Worms Armageddon dans ses cartons, c'est pour ça qu'il peut pas. Il cherche des disquettes. Ah, dans ses cartons, GOG. Il cherche des disquettes, ouais. Ah, ça peut être bien. Ah ouais, ça peut être bien. Mm. Bah, franchement, c'est un joli jeu. Ouais. C'est dommage que tu les aies enlevés de là, parce que comme je crois que je joue juste après, j'aurais fait un coup encore plus efficace. Mais ouais, y a l'idée. Oh, yeah, et deux en un. Ça va, ok. Bah t'as pris le de Skype. C'est joli. Une façon économique d'en éliminer deux. Ok. Et c'est chiant de taper au clavier avec le chat dans le clavier. Et pouf. En fait, j'aurais fait ça avec les deux qui étaient ensemble, en fait. Ouais. Mais faut bouffer le chat, ça va vite. De toute façon, le but, c'est qu'il en reste qu'un, alors. Ouais. Le chat, non, je vais pas le bouffer tout de suite, j'attends qu'il soit bien... Non, je vais pas le manger. En plus, je peux pas le manger, il est tout noir parce qu'il a... Donc, il est trop grillé, en fait. Il est trop grillé. Ça va envoyer du missile à téléguidé. Ah non, du bombardement, ça c'est bien ça. Bombardement. Raid aérien, la palme. Plus un raid aérien, ouais. Loupé. En parlant de chat, le jeu Stray va sortir le 19 juillet 2022. Le jeu de chat. Le chat. Vous allez arrêter de faire les murs. Bon, bah, je vais achever Tomato Gauche. Bon, je vais. Achevé le compatriote, paf. Non, c'est Tomato Ghost. Tomato Gauche. Ouais, c'est Tomato Ghost. Ouais, le fantôme. C'est Ghost en anglais. Hein. Le fantôme de la tomate. Ouais, tout à fait. Il est toujours gauche. Ça brûle. Et l'eau, ça mouille. Donc l'Angleterre est beaucoup trop avancée. Oh, les oiseaux. Non, pas Jordan. Non, Jordan Pickford. Le week-end prochain, ça va être compliqué pour le sage. Du coup, il y aura une semaine de répétition supplémentaire. C'est bien. Du coup, on le fera la semaine. Alors, du coup, ça monte ou bon. Le sage va être éliminé. Peut-être pas. Si Dragon Sky, comment il va s'organiser? Il va peut-être s'éliminer aussi. Téléport. Non, il va tirer avec un gros canon et paf, il va mourir. Ah oui, mais il téléporte. Fais comme une femme pompe-toi dans les papates du machin, là.
vaut mieux ne pas écouter Twinsen, il en connaît pas plus que toi sur le jeu. Ouais. Et vaut mieux pas écouter FunFat parce qu'il a, il en connaît énormément sur le jeu. Il passe 6 jours là-dessus. Non, ah, mais... fair play. Tu peux pas téléporter là, la différence. On peut téléporter dans les creux, là où il y a le ciel, uniquement dans les creux. En fait, faut distinguer l'avant-plan de l'arrière-plan. Oui. Voilà, tout à fait. Ah, j'ai trouvé. Alors, tantôt, tu arrives, tu prends rien à la perspective. Il aurait pu tuer Johnson en 2 coups de fusil à pompe, il était mort. C'est 25 plus 25, 50 et comme j'ai 39. Adieu le sage. Oh. Et c'est pas moi qui t'ai limé ce qu'il tue. Oh. Du coup, voilà. Bon. C'est peut-être pour Boss qui va gagner. Hein. Oh, c'est limite, non. Non, il a pas assez de vie pour gagner. C'est FunFan qui va à England là. Ah non, c'est England, c'est. Pour l'instant, il mène en point de vie. Peut-être creuser. Bah, ouais, ça creuse. Creuse les pattes. Les ongles là. Il coupe les ongles. Il plante surtout ça. Bah, comme ça, il va se consacrer au stream tranquillement. C'est ça. Alors faut pas que je me plante. Et Twinsen il apprend comme ça en regardant les autres. Alors attends, ouais, Core Ninja. Core Ninja. Oh, pas espace, si c'est espace. Excusez-moi si le chat fait du bruit. On l'entend à peine. T'en fais pas. Oh! Je crois que Tomato Ghost il va nous quitter. Il lance bien la grenade, ça devrait bien se passer, mais sinon. Ben oui. Si tu mets le bon time, c'est bon, tu peux. Mets le maximum de secondes, non, non. Oh, le bon time. Le bon time. 5 secondes. Oh putain, le boulet. Oh le boulet, oh le boulet. Ah bah. Ouais. Oh non, mais elle a accroché sur le pixel. Oh, c'est n'importe quoi. Ça me fait bibibibachi. Putain, oui. Mais si t'étais mort, t'aurais pu le tuer. Hein. Non, je pouvais pas le tuer, j'avais plus de. Ouais, mais si t'étais mort là avec l'explosion. La cité des morts, c'est. Oui. C'est... La grenade, bah, c'est mort. Il suicide. Ah bah, il se suicide. Alors, Dragon K, en fait, ce que tu aurais dû faire, c'est plutôt utiliser un. Ah ben, oui, je sais, ouais. Ça te évité de. Kamikaze. Bon, bah, je gagnerai pas. Et puis Dragon Sky non plus. Bah comme ça, il acceptera pas ta demande d'ami. Non. Ah si, gouvernement, Dragon Sky est toujours là, ok. Ouais, il a encore un Worms. Enfin, Gling. Je pense que... Il l'a plus, en fait. Duel entre moi et AJ dans un grand duel anthologique. Là, cette fois, AJ, tu vas gagner. Est-ce qu'on peut dire que c'est un bon duel? Oui, un bon duel. Il arrive, alors qu'il était au-dessus, ouais. Il ne fait pas tomber vers le bas, c'est quoi cette physique? Mais c'est quoi cette physique d'Ubisoft là? Là, pas d'Ubisoft, de Infogram. Là, AJ, vu le peu de vie, c'était mieux un flingue pour éviter de gaspiller la batte de baseball. Wow, comment il est chaud dans son coup? C'est un plaisir de utiliser la batte parce que c'est la dernière fois. Oh non! Maintenant, je sais qui est ma menace principale, c'est AJ. Bah, il n'y a plus que là, il n'y a plus que lui. Non, pas... Il a bien appris comment le jeu se développe. La sainte grenade, paf! Alors, il faudrait qu'il se téléporte avec l'autre, tu tues l'autre, et il arrive juste derrière et tu tues. Ah ouais. Ou non, je sais pas, ou l'inverse. Il va faire plein de fans pour s'en tirer. Ah, il va se re-téléporter comme un feuge. Il va se planquer encore plus. Bah... Allez, corde à sauter, fun. Ah non, j'ai merdé mon truc, ça tient pas.
Comment c'est les fan-fan? Personne n'y est arrivé, même pas une fille. Oh. Oh merde, il va se prendre une. Oh, tu vas faire fair play, fan-fan. Qu'est-ce que c'est ce bordel, c'est... J'avoue que c'est très intéressant. Il faut que gagner, mais il faut pas qu'il se passe. C'est qui déshabille, là? Et en fait, c'est le sage, c'est son micro qui fait énormément de bruit, je pense. Ah, pardon. On voit rien, hein, comment ça s'appelle, un ballon de... plat de plage, là. Ah, oui, ouais, voilà. Il s'est mis à l'ASMR, maintenant. Bouée. Il s'est assis sur une bouée en ASMR. Ça, ça plairait à FunFan, ça, l'ASMR. Non, pas spécial. Oula, 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 prendre des points de vie, là. Oh non, EJ. Il commence à être blessé. Il va t'avoir à l'usure, te laisse pas faire. Le problème, c'est que je suis pris en sandwich entre les deux. Oui, mais t'es un coup sur deux. Non, parce qu'il peut utiliser la non, table. Espace. Ça marche pas. Ah, oh, putain, ça marche pas. Parce que c'est codé avec infogramme. Dommage. C'est codé par infogramme. Ah, oh, faut arrêter. Bon, non, en stream. Bon, en même temps, infogramme, c'est pas fait. Mais je dois bien quand même remarquer les problèmes du jeu, quand même, au bout d'un moment. Non, c'est juste toi qui a pas appuyé sur espace. Si, j'ai appuyé sur espace. Je sais ce que je fais, quand même. Bah, il faut appuyer plus fort. Bon, oh, arrête. Tu fais un trou dans le clavier. Quand tu t'es resté trop appuyé longtemps sur espace, pour ça, t'as coulé à pic. Non, t'appuies une seule fois, ça active la foreuse, et okay. Voilà quoi. On va se la jouer au bazooka. On va se finir au bazook. Bajé bazook. Ah bah voilà. Oh non, EJ, je comptais sur toi. Ils vont m'aider. Excusez-moi, je ne peux rien faire contre 20 ans d'expérience. Ouais. J'ai eu un coup de bol parce que je m'attendais pas que ça passe aussi bien. Oui, un coup de bol, le PGM qui se la joue. Ne quittez pas la salle. Ne quittez pas la salle. Restez, ouais. On va avancer. Mettez sur prêt. Faut juste changer de. Après, c'est un jeu prêt. Après, ah il oui, faut. On n'a pas changé la carte. On va changer la carte. Ah, les fruits, c'est bien ça! Petite salade là, une petite salade. Salade de fruits, joli, joli. Pourquoi, quand dans ton lot vert, il n'y a pas des choix aléatoires dans les noms qu'on a mis? EJ, on t'attend. C'est moi qui ai fait les dégâts maximum en un seul tir. Bah, j'ai pourquoi j'ai encore grand, j'ai déjà des choix. Pardon, excuse-moi. Pourquoi les noms des verts ne tournent pas? Les noms des verts, j'ai fait d'autres noms d'hommes politiques. Enfin, de chefs de gouvernement. Il y a une option pour ça dans la partie, tu peux faire en sorte que ce soit aléatoire, mais... Ah, tu veux dire pour les noms? Non, c'est comme ça, c'est toujours dans le même ordre, ça. Ah, oh, c'est nul! Mais c'est vrai que ça aurait été bien. Ouais. Parce que dans les meilleurs joueurs, il y en a qui notent le nom de tes worms pour te faire des coups. Ils se disent, ah, ils savent que ça va être à ce moment-là ton Worms qui va jouer, ils notent, et après ils te font des coups pour l'empêcher de jouer, justement, pour se sauver, ou justement ils te font pas de coups, à toi Dragon Sky, hein, ouais. Pour pouvoir. Ça sent le pétard entre les deux là, paf! Ça sert à rien entre les deux, franchement. Si, ça va voler comme ça, pas fait comme plus, hein. Entre les deux, ça faut mieux le faire là, comme il a fait là, c'est très bien. Aux abris. Oh merde, t'as pris une fessée quand même. J'ai pas gagné. J'ai 3 worms à côté. Oh, elle est bien amochée. Je sens que la coalition de Steam va vraiment faire une. Steam. Steam. Steam.
Steam FunFam, Steam. On va appeler tout l'ouvert. Steam FunFam, Steam. As-tu appris à dire d'autres mots dans ton vocabulaire? Ah non, mais j'essaie de faire de l'ASMR pour te faire rejoindre le clan Steam, mais ça marche pas. Hein. Non. Il faudrait vraiment qu'il y ait un jeu qui me donne tellement la hype que je sois obligé de les rejoindre. Oh, il n'y a pas beaucoup de jeux qui me donnent la hype, hein, on dirait. Hein. Ah bah ouais. Ah, t'es tellement compliqué dans les jeux, voilà. C'est vrai, ouais. J'avoue que tu t'intéresses pas à beaucoup de jeux, hein, quand même. Je pourrais dire la même chose. Oh non. Oh. Non. J'ai confondu le saut et le tir. Oh. Tu n'aimes pas les Final Fantasy. Tu n'aimes pas les Age of Empires. Donc c'est pas mal. Hein. Tu n'aimes pas les Age of Empires. C'est pas que j'aime pas. C'est des jeux à pas faire en stream. C'est tout. Ah, d'accord, c'est pas la même chose. Le catch, chose, t'aimes pas le catch? Non, ça sert à rien, c'est du spectacle. Oh. Y'a rien. Y'a rien. Non. Même pas une. C'est moi qui joue. Donc, c'est surtout que quand j'entends ce genre de commentaires sur le catch et que ça cherche même pas à comprendre, je préfère rien dire. Vers à l'envers. Vertige. Vermouture. Vermouture. J'avais pas compris le mot. Je voyais le ver et la tige, mais j'avais pas pigé. Ah, c'est des jeux de mots, hein. Ouais, j'avais pas pigé. Ah, je voulais avoir vers à l'envers aussi. Ah bah, tu peux le choquer aussi. Ah bah oui, il peut le prendre dans sa trajectoire. Ah mais tu peux pas tout contrôler. Après, c'est le jeu Dragon Sky, hein. Bah oui. Moi j'attaque sans vergogne. Vous avez vu, il avait le jeu sans vergogne. Ouais. Attends, il est de quelle couleur? Il est vert, bonne fan. Ok. Comme les verts. Si vous la faites pas fair play, c'est nul quand même. Hein. Ouais, mais t'es puissante, vu que sinon tu gagnes tout le temps, quoi. C'est ça le problème. Ouais. Pas une raison. Mais c'est bien visé. Non, voilà, la prochaine partie, je la fais pas avec vous. Je vous laisse la faire avec Bastos, hein, ça sera réglé. Ouais, je suis entre les deux. Ouais, mais il y en a une qui est désactivée. Mais je te dis pas laquelle. Là. Voilà, moi je suis un traviole. Ah oui. Voilà. Tu peux changer de verre en appuyant sur Tab. Ouais, je sais, ouais. Waouh, tu peux t'en prendre à ton environnement. Dragon Sky réfléchit. Attention que dans la tombée, ça te fasse pas tomber à l'eau aussi. Mais c'est une idée. Faut apprendre de ses erreurs. Non, mais monte un petit peu, sinon il va tomber dans l'eau. Il marche pas spécialement dans l'eau. Le viseur, hein. Mais ça peut marcher. Non, tourne de l'autre côté. Ah, trop tard. Ah bah, tant pis. Ah, la prochaine fois. Ouais. Si, il t'a pas éliminé avant. Ouais, j'avais pas de soluce. Bah, t'as pas été chercher ton bon YouTube. Non. Non, mais non, mais c'est quoi? Eh, mon verre, là. Oh. C'est le kamikaze. Oui, je sais, merci. Ah, tu t'es trompé, tu voulais prendre le punch, non? Encore cette musique, ils peuvent pas la virer, il y a que 3 musiques dans le jeu, ça c'est un gros défaut. Ah ouais, ça c'est un... L'ADA, l'IA, le gnagnagna... Mais t'es ce que tu veux, je suis streamer professionnel. Ah bah non, non, vu ton classement, t'es pas professionnel. Ça veut rien dire ça. Pour l'instant, le tien est dans le néant.
C'est pas mal, j'ai même pas commencé. C'est pas faux. À moi jouer ? Non. Ah, c'est vrai que plus il y a de joueurs, plus c'est bon le tour. Là, tu vas te jeter dans l'eau. Tu tires sur le bord, tu vas te jeter dans l'eau. Je te dis. Voilà, là c'est bon. Je suis fair play, t'as vu ? Ah ben Madame Borne, elle a de quoi se soigner, vu le mal qu'elle fait à l'hôpital. C'est une ironie. C'est à moi, non, c'est à Fun Fan. Tu joues après moi, Frobos. Ouais. Ah bah ben non, pas de soin pour Madame Borne. Ouh, j'ai failli tuer Madame Borne. Donc en fait, dans l'ordre, en fait, c'est le sage, après c'est Twinsen, après c'est moi, après c'est Frobos, ensuite c'est Edge. Ah, c'est moi, Schultz. Et, ouais, et en dernier, c'est Dragon Sky. Voilà. Non, c'est moi, je suis après Dragon Sky. Ah, autant pour moi. Il me semblait que c'était rouge, bleu, vert, turquoise, violet en dernier, il me semble. Bien, on va se battre dans l'arène. Battre dans l'arène. D'accord, Madame Borne. Comme je suis anti-système, ça va être une occasion rêve. C'était plutôt rigolo que tu mettes Lionel Jospin à la place de Madame Borne. Ça aurait été simple. Surtout, ça faisait l'époque du jeu. Dragon Sky, fais gaffe au rebord de la banane. J'aurais jamais cru dire cette phrase. Tu dis ça, mais quand tu vois Max, Charlie, hein. Et alors ? C'est bien Max, Charlie ? C'est pas terrible. C'est pas très quoi ? C'est pas terrible. En masse. C'est fait avec les moyens limités de mon cerveau. En masse. Que va nous faire Jordan Pickford ? Dehors. Voilà, c'est bon, je peux reprendre mon truc, j'ai donné ce que j'allais faire en même temps. Ah, ce qui est bien avec ce jeu, c'est que ça met tellement longtemps à faire un tour que t'as le temps de faire autre chose en même temps. Ouais, mais on peut réfléchir entre temps, mais enfin... Ah, bah moi, je vais me chercher un goûter. Non, j'ai déjà pris mon petit goûter, moi. Merci. Je me suis réveillé trop tard pour commencer à goûter. Et t'aimes bien le jeu Dragon Sky ? C'est sympa. Ah, ça va, je suis content que ça te plaise. Tu pouvais très bien me dire que c'est ça. Oh, joli le sage. Merci. Ah là, c'était joli. Hein. Mais si tu te lances. Mais j'aime beaucoup le jeu de mots sur vertige. Moi, mes Worms, je leur mets juste des prénoms pour qu'ils aient des prénoms. Et Frobos, j'attends qu'ils reviennent. Oui, oui, je suis là. Schrod, là, c'est... Scholz, c'est le nouveau chancelier allemand. Ah ouais, oh, j'arrive pas à me faire... Oui, j'ai mis les... J'ai pas mettre, j'aurais bien aimé mettre Merkel, mais j'ai mis les trucs actuels. Ouais. Pour tous les verts. Des pays voisins à la France. Bon. Je sais pas comment vous faites pour faire le double saut. Voilà, t'as... La touche arrière. Tu sautes et tu fais... Oh mon dieu, putain, ce que j'ai récupéré, Sarah. Ça va faire des gros dégâts. Dites adieu à tout ce que vous avez connu de la civilisation. Oh non ! Non, pas la grosse banane. Bon. Si, la grosse banane. Il n'y a pas eu la bonne victoire. Ah! Oh. Ouais. Mais bon, bah au moins, oui. Il y a quand même eu une victime. Ouh, le gouvernement Frobos est dans la place. Ah, c'est chaud. Ouais, c'est vrai. Les gars, je vais manger des pancakes. Ils sont périmés en théorie demain. Oh, de toute façon, il y a un petit adieu, adieu. Fais ton testament. Ouais. Faut que je le fasse. Bon, ça va.
C'est pas des butonies. Où est-ce que j'ai tué Max? Non, non, des pancakes de butonies. Non, pas assez. Oh, j'ai juste caressé, mince. Une petite caresse sur un verre. J'ai mal joué. Je le finirai, je le finirai. J'aurais dû mettre les bananes de l'autre côté. Il y avait plus de dégâts à faire que ce côté. Les bananes flambées, ouais. Ou les bananes split. Ah voilà. Il fait la fin de fan. Quoi? T'as te voir jouer comme ça, j'ai l'impression de revoir les IA quand ils font les tac tac tac. Ils le font beaucoup les IA. Le tac tac. Japon. Viens pas ici. Bien joué, DJ, parce que j'aurais même pas tenté avec la physique du jeu. J'aurais pas pensé que. Ouais, la physique du jeu, tu dis ce que je lui dis. Tranquille. Bon, allez, je vais prendre mon goûter. J'arrive. Bon goûter. Bon goûter à toi. C'est le moment de profiter qu'il surveille pas le jeu pour lui faire des méchancetés. Il sera pas quitté de ça bien. Ça va, je déconne. J'hésite. Oui, je me magne. Gna gna gna. Sacré Charlemagne. Ouh, il a eu la chance. Hein. Les oui. Par contre, faut pas qu'il glisse dans les prochains tours. Hein. Est-ce qu'il va nous faire vertige? Vers à l'envers. Oh, et une scène. Ah, oh, Max, il va voler. Tu n'aurais pas oh dû. Non. Tu n'aurais pas dû, Twinsen. Tu as signé ton arrêt de mort. Bah, j'en fais deux d'un coup, là. Ah. Bon, ça, t'en fais qu'un seul. Non, regarde. Il a fait deux tirs, deux dégâts. Ah, il parlait des dégâts. Je crois qu'il parlait du nombre de Worms qui était mort. Hein. Ah, le Nocor Ninja dans l'œil de vertige. Ah, il va se venger. Ouais, c'est sûr. Ah bah, allez. Allez. T'avais dit que t'avais signé ton arrêt de mort. Hein. Oh la vache. Oh, c'est violent. Oh, cette violence. Deux fois d'affilée que j'ai éliminé Twinsen. Hein. Moi, j'ai pas accès au bombardement. Ah, si, c'est bon. Oh. J'ai juste du Johnson en même temps. Allez, bah, allez, va tous nous tuer et moi. Ça va être la fête. Chiche, chiche, chiche. Non, je vais pas me tuer Johnson, Boris Johnson juste en dessous, quoi. Charlie. On va prendre ignoblement à Saint-Glingue là. Saint-Glingue. Bon, ce qui va se passer, c'est que je vais quand même viser Charlie, mais je vais prendre le fer et ça ne va pas tuer. Donc hop, j'achève Saint-Glingue là gratuitement. Ah, je me suis bien placé. Ah, j'ai peut-être gagné juste un tour de survie, mais c'est un tour. Mm-hmm. Il me vaut d'être éliminé après Dragon Sky, donc ça me va. Et après Twinsen. Oh, mais c'est le jeu, à un moment, il faut s'éliminer, c'est comme ça. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Comme sur le régime, hein, il faut éliminer. Hein. Non, je suis fou. Ah ben. Ah. Oh ben. Oh non, c'est vilain ça. Oh, la vendetta. À peine la vendetta. Ah, c'est pas moi qui crois que ce soit contre Monsieur Johnson. Non, Johnson, il est gentil. Je suis pas bobo.
qu'il a quitté l'Europe. Je pense que c'est quand même mieux de mettre plutôt des anciens politiciens des polémiques de vengeance. Oui, je t'ai juste pour... Ouais. Merde. Ah. Bah pour mon stream, c'est mieux si tu mets des anciens. Ouais, t'inquiète, je... ça c'était juste pour le test. Ouais. Attention. Ouais, c'est bon. Mais en plus, c'est rigolo si tu mets Lionel Jospin, tu mets Tony Blair... Non, je vais éviter les hommes politiques, je vais mettre autre chose, je vais trouver quelque chose. Non, mais c'est vrai que ça aurait été rigolo de mettre les hommes politiques de l'époque du jeu, quoi. Alors, on va tenter. J'ai mis les étrangers aussi. Oh, c'est bien ce que je voulais. Oh la vache. Oh, jolie la tombe. Ouais, très jolie cette tombe. C'est un gargouille. Elle tombe bien. Elle tombe à pic. J'ai fait... Non, c'est pas vrai, je me suis cramé, je peux plus bouger. Oh non, j'ai loupé mon tour à cause d'une connerie. Ah bah c'est la photo sage, hein, c'est lui qui a mis le cocktail. Oh non. Ah, oui, rejette le... Oh la vache. Bon, ok. Mais tu es Charlie, il aurait été éliminé, putain. Tu as... Un point de vie. Oh non, mais la loose. Ouais, ah, un point de vie. J'ai glissé, pas chef. Content, c'est toi qui vas m'achever, est-ce que tu... Non, parce que tu vas me tirer une balle et tu seras... Non, tu joues avant moi, donc tu vas m'achever. Et du coup, tu auras un trou de balle. Deux trous de balle. Ah, le sage, il peut nous achever tous les deux s'il se démerde bien. C'est ça, je vais vous départager. Enfin, rappelons qu'il aura encore un worm, ce Froboz, donc il n'y a pas trop de risques. Ça va être terminé entre lancer. Hein. Tu as très bien fait, Edge, parce que sinon, c'est moi qui t'aurais mis le raid aérien. Non, mais je l'avais dit. Que je gagnerais pas celle-là. J'étais placé au centre. Et en plus, mes trois worms, c'était à côté. Donc, c'était quasi impossible pour moi de gagner. Pour une fois que Fun Fun, il peut être raid. Ouais, mais t'as été raid avant moi. Fun Fun, alors. Cette nouvelle version de Fort Boyard, dis-nous tout, on t'écoute. Oh, il y a des choses à dire. Je ne sais pas si tu l'as regardé de ton côté, le sage. Non, du tout. Même pas en extérieur. Il y a des choses, naturellement, qui sont fort positives. Et des choses négatives. Là, le sage, il me pose la question, il sort du ras le bas, tu sais. Alors, on va faire comme la polémique en ce moment. Que pense le fan des tics 3D dans Fort Boyard? Franchement, ça, c'est nul. Les tigres 3D, franchement, moi aussi je trouve pas ça ouf. Hein. Déjà, ils sont nuls, et en plus, voilà, tout ça pour faire plaisir à des écologistes qui sont persuadés, ou des animalistes, enfin, je sais plus comment on les appelle, toutes ces minorités là, moi je les appelle des minorités. Tout ça parce qu'ils te disent, ouais, le tigre il est pas bien et compagnie. Mais qu'est-ce qu'ils en savent? Est-ce qu'ils sont dans la tête du tigre? Soi-disant, les voyages, c'est pas bon, mais dans la nature, ils font des kilomètres. Il faut arrêter la bêtise. Ils sont bien traités dans Fort Boyard. Après, on va faire quoi? On va... Oui, vas-y. Les tigres, ils ont Steam, hein, c'est normal. Hein. Mais je sais pas, je m'en fous de ça. Et ils sont bien traités, et en plus, les animaux sont... C'est pas grave. Au contraire, ça leur change de leur zoo, là. Ils ont l'habitude de leur zoo. Non, c'est vraiment nul, toi. Après, on va supprimer quoi? Les migales, après on va supprimer les serpents, parce qu'on va dire pareil, que normalement, c'est des animaux sauvages. C'est vraiment, ça va... Fort Boyard cède trop au lobby, à mon goût. Donc voilà, ça, c'est parti, puisqu'on commence par le négatif. Le rôle par contre, l'équipe d'hier soir, c'était pas ouf, hein. C'était pas terrible, hein. Tu regardes l'émission? Je savais pas. Non, j'ai pas brûlé, c'est pas ouf, hein. Bah ça va, franchement, ils se sont bien débrouillés, j'aime beaucoup Elise et Moon, donc toujours aussi drôle. Non, franchement, ils se sont bien débrouillés, ça va. Aussi dans le négatif, la nouveauté qui s'appelle les atouts du père Fouras. Ah, j'ai appuyé, ça a marché, et j'ai appuyé sur espace. J'ai pu stopper Non, là, je suis... Non, stop picker.
de te le dire, mais dans le marteau piqueur, quand tu n'as pas de vide, en fait, ça l'arrête automatiquement, dès qu'il ne fait pas de fouraille. Il me semble, de mémoire. Parce que moi, il continuait. Hein. S'il n'avait pas appuyé sur espace, il continuait. Donc, on va continuer. Je disais aussi dans le rôle négatif, c'est Delphine Despider qui n'a plus que 5 minutes d'antenne à tout casser. Qui, avant, elle avait au moins 20 minutes à la cage, plus 20 minutes en seconde partie de soirée. Alors, en seconde partie de soirée, sa carte blanche, elle a disparu. Donc, Delphine, out. Et sur la première partie de soirée, maintenant, quand tu vas dans la zone intermédiaire, c'est ou le jugement ou la cage. On réserve le sage. Performance pour Delphine. Qui non, le marteau piqueur dans la tronche. Performance pour Delphine. Ah, la dynamite. Je vais attendre que Bobo continue Il bouge non plus. Oh, je suis bloqué. Le pixel m'a bloqué. Excellent, excellent. La dynamite a tout bloqué. Et les gars, moi je vous conseille plutôt de faire une alliance parce que vu comme Edgy est loin, mieux de vous entretuer. Je veux pas faire d'alliance, moi je vais achever Nancy. Je vais faire une dernière attaque. J'attends qu'il achève, comme ça je vais pouvoir reprendre mon propos, sinon il va me couper. Alors, Delphine Westpizer, là. Oui, eh ben. Non, non, j'attends qu'il ait achevé, comme ça. Donc, c'est un duel entre encore Edgé qui reste dans les duels. Est-ce que Edgé va casser sa place de Polydor qu'il a d'aujourd'hui pour enfin avoir la première place? Alors Polydor, pour ceux qui ne connaissaient pas, c'était installé sur la crotte. Un grand cycliste français qui a souvent fini deuxième au Tour de France. Attention, attention. C'est pas Polydor, mais c'est Polydor. Ouais. Ah, je savais pas. Je croyais que c'était Po. La politesse d'or. La politesse d'or. Poupou. Après, affectueusement surnommé Poupou. Donc c'est Polydor. Attention. Hein. Je crois qu'il est crevé depuis le temps. Qu'est-ce qu'il fait ? Téléporteur. Oui, il n'est plus de ce monde, malheureusement. Ouais, il est décédé il y a 2-3 ans. Ouais, ouais. Je vais creuser ma tombe. Le Turner aussi, il a creusé aussi. Le Turner. Ouais. Qui accompagnait l'accordéon sur le Tour de France. J'étais à deux pièces en même temps, c'est drôle. Donc je courais entre la cuisine et le bureau et ma pièce où on avait mon ordi pour. Avec l'ordinateur. Tu courais avec l'ordinateur portable. Non. Mais bon, là, c'est bon. Moi, je te dirais pas comment descendre, mais je sais comment j'aurais descendu. Le parachute. Ah bah si, en plus, il te donne la soluce. Le parachute. Utilise le parachute, ça te coûte pas une arme. Faut que tu l'actives comme une arme, mais ça te coûte pas une arme. Ouais. Mais non, mais... Il a touché un rebord. Oh non. C'est dommage. The fail. Il a touché un rebord, mais il a fini. Oui, je vais gagner. Mais oui. Nancy va gagner. Mais oui. Bon ben, NG, c'est officiel, c'est notre Polydor d'aujourd'hui. Polydor. Qu'est-ce qu'il a, Polydor? Ben, il est toujours deuxième au Tour de France et toi, tu t'abonnes à la deuxième place. Ah ouais. Oh. Pour l'instant. Peut-être qu'il était normand, hein, ça expliquerait tout. Oh, une vie. Attention de ne pas le citer, Frobos. Ouais. Voilà, ouais, on va savoir pour Delphine. Ouais, là. J'ai gagné. Ouais. Ah non, là, je peux pas. Les Allemands, ils sont trop forts. Scholz, il a gagné. Bien joué. Ouais, merci. Ouais, je suis content. Fratelli d'Italia. Ils ont un hymne. Je suis le ver de la manche. Voilà, Jordan Pickford est ici, mesdames et messieurs. Attendez, excusez-moi. Moi, je me fais un réglage au niveau de mes fenêtres parce que j'ai encore un souci. Comment t'as fait ça? Oh, c'est que le vilain Luron, il a fait 135 de dégâts en un coup. Sur un seul tir. Bah, c'est quand j'ai réussi à en avoir plusieurs avec. Je sais plus si c'était le napalm ou autre chose. Mais. Oh, il y a pire. C'est encore des petites stats. Oh, les champignons mignons! Les champignons mignons. La France à François Pérus, humoriste québécois. La prochaine fois, propose que le gagnant choisit la map. Ça aurait été très bien. Ok, je vais. Mais prends la map. Fais voir la map. Ah oui, fais voir qu'est-ce qu'il y a comme map. Ah, s'il te plaît. Y a plein.
Ah, il y en a plein, donc... Bon, les champis, allez, c'est bien. Mais je vais juste, en attendant, je vais... Bah, on va lancer la partie, je vais me chercher à boire. Ouais. Alors, Delphine, machin, là. Lui, il abandonne pas. Delphine Westpizer. Pour une fois, c'est moi qui... T'as qui de jouer ? J'attends de savoir qui joue le premier, et ensuite, je vais... Oh, bah alors là, les Anglais vont tirer les premiers. La fin, il va... Allez, une carte de baseball, paf, direct. Non. Si. Pas, ce serait du gaspillage. Voilà, c'est suffisant. Il n'y a pas besoin de... Je suis déjà mal barré pour gagner cette partie. Moi. Bon, bah, Falcon a pris une... À cœur sanglant. À cœur vaillant, rien d'impossible. Ah, voilà. Pourquoi j'allais dire cœur vaillant, rien n'est impossible. Donc, oui, c'est donc... Michel Vaillant. Vom, vom. Oh vache, il y a des mines sur les champignons. Ouais. Donc je disais, pour revenir à Delphine, que en fait son temps d'antenne a été très réduit. C'est-à-dire que quand avant, tu te souviens, le sage, quand on arrivait, c'était directement le jugement quand ils n'arrivaient pas à avoir toutes les clés. Tu vois, ben là, ce qui se passe, c'est que c'est fini. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont le choix. Ou ils vont au jugement, ou ils vont à la cage. Et donc, ça veut dire que le temps d'antenne intermédiaire qui était accordé pour faire la cage contre les boucles n'existe plus. Mmh. Maintenant, c'est l'un ou l'autre. Et donc, ça réduit considérablement le temps de Delphine. Heureusement pour elle que l'émission n'est pas en direct, parce que comme les candidats, ils ont le choix, ça voudrait dire que Delphine, elle le fait chanter sur son humain. Je crois, merde. Bah ouais. Donc là, tu sens bien que l'émission est enregistrée. Quoi. Mmh. D'ailleurs, quand... Quand t'entends Père Fouras qui dit « Ah, il est trop tard, arrêtez de faire du bruit mmh. !» Oh, putain, je voulais avoir 50 balles. Je te rends la monnaie de ta pièce. Oh la vache. Ça castagne grave, là. Les verres de la Saint-Glinglin, ils sont mal. Ouais, je sais, je suis mal barré. Bon, attends, je vais faire un truc facile. C'est ce que je disais, ouais. Un petit raid aérien. Non, je... Ah, raid aérien, tu crois que je peux faire? Non, c'est pas possible. Je vais faire ouais, le. T'es trop bas. Donc voilà, donc, je disais, c'est le gros. Non, point c'est pas ce que je voulais faire. Excusez-moi. Ah, mais c'est. Il fallait prendre en compte la vitesse du vent, Frobos. Ouais, ah, c'est oui, c'est vent. Vrai. C'est pas des grenades, c'est vrai. Bon, je reviens. Je me cherche à boire. Donc voilà, donc ça fait vraiment partie des négatifs, ainsi que les cartes hyperforces. C'est-à-dire que quand il commence, à toi Dragon, ça y est, voilà, c'est bon. T'as une mine, c'est embêté. Quand il commence directement, le Perforas prend une carte et ça leur rajoute des défis supplémentaires sur des épreuves classiques qui sont déjà assez difficiles. Ça, c'est plutôt nul qu'ils aient encore un malus de plus. Sinon, voilà, ça c'était dans le négatif, dans le positif. Ah non, dans le négatif aussi. Alors, pour l'instant, la nouvelle épreuve de Cyril Gosbeau, qui est un peu nulle, qui fait penser directement au photon-bâton de Willy. On aurait dit la même, c'est du copier-coller, à pas grand-chose. C'est dommage. Pareil, aucune évolution sur les épreuves de Willy. Donc ça, c'est dommage, ça reste la même chose. Donc là, on est vraiment sur le négatif. Sinon, pour le reste, après, il n'y a pas de grande évolution majeure qu'on peut noter. Mmh. Maintenant, dans le positif, parce qu'il y a quand même du positif. Alors, après, c'est difficile de se baser sur une seule. Il faut. Attention, il peut rien changer, tout est déjà tourné. Donc voilà, c'est déjà en boîte. Hein. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a. Il y a émission en émission, t'as toujours des petites variantes, d'autres personnages qui interviennent, d'autres qui arrivent. Donc voilà. J'ai pas encore vu toute la saison entière pour me faire un avis complet. Voilà. Non, mais c'est ce que j'essaye d'expliquer à Twinsen. Tant que la saison n'est pas terminée, on peut pas se projeter. Alors, dans les points positifs, l'évolution de Willy, c'est surprenant, je n'y attendais pas. Il passe de prisonnier à shérif. Cette fois, il surveille les prisons. Donc, mais sinon, en termes d'épreuves, comme je l'ai dit, ça n'a pas changé. Cyril Gosbeau, je ne m'attendais pas que son personnage, qui soit le favori du sage, devienne le personnage le moins bien. Déjà, Cyril Ferro, c'est le favori des grands-mères. Hein.
Oui, aussi, tout à fait. Mais dans Fort Boyard, on se limite à Fort Boyard. Ce qui est aussi positif et qui fait vraiment plaisir, c'est que le père Fouras, plus ou moins, là, le père Fouras est de retour dans la vie comme à l'époque. Et ce qui fait encore plus plaisir et que ça me donne les frissons, c'est qu'on entend la musique de l'époque. Ça fait plaisir d'entendre la musique rétro qui fait pom 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 pom. Ça me fait vraiment plaisir de réentendre cette musique de l'époque. Il reste plus qu'à venir. Ouais. Donc l'évolution du personnage, voilà. Et voilà. Donc pour l'instant, la saison a l'air intéressante. On a quand même hâte de savoir quels seront les prochains numéros. Ouais. Mais bon. Mmh. Ah bah merci de ton analyse. Ouais. Les invités, tu voulais trouver sur internet, hein, les invités de ceux que quand on tournait. Ouais, tout à fait, je les ai, mais non, pas ça, les prochains points négatifs. Oh là là. Eh ben. Bon, ben, je voulais avoir Edgy, mais j'ai eu le sage. Vraiment, parce que c'est codé le missile par Infobam. Alors, t'es jaloux, hein, si t'arrives pas. Hein. C'est pas que j'y arrive pas, c'est qu'il est imprécis. Il a été mal codé. Bah, t'as qu'à jouer à Tata au Tibet, tu comprendras. Oh là là. Hein, ou à Home Alone 2. C'est pareil. Là, on y jouera, oh. Tata au Tibet. Bah, qu'est-ce qui s'est passé, patron? Patron. Tu as eu un, comment ça s'appelle, un pixel, un bout de pixel qui était mal placé. Ouais, c'est surtout moi qui s'est pas vidé en fait. Non. Oui, moi aussi j'avais pas vu le pixel. Ça peut m'arriver. Ça arrive à tout le monde, même aux meilleurs. Même à ceux qui ont passé 20 ans sur le jeu. qui joue jour et nuit. Ouais. Ben, on me reproche tout ça, c'est pas ma faute. Si quand j'étais petit, il y avait que ça à jouer à l'époque. C'est pas ma faute, à l'époque, il n'y avait pas de Game Pass, on avait moins de jeux, donc on pouvait pas... Moi, je disais vers tireur. Attends, mais moi, à mon époque, il n'y avait pas tout ça. On prenait le vélo, on allait sortir chez les copains, etc. On allait sortir dehors. Ah, mais... T'as la chance d'avoir un vélo. Toi, tu peux partir encore d'une génération plus vieille, c'est normal. Bah moi aussi, je fais du vélo, je sors, je vais voir les potes. Ah, les vélos, j'en ai tellement eu. J'ai compris un petit peu pour le fonctionnement du missile. Moi, le problème, c'est que les vélos, on les avait, mais comme on avait des voisins... Non, pitié. Ça fait que j'ai très peu de vélos. Oh, c'est méchant, ça. Je retiens, la prochaine partie, cible prioritaire, les bleus clairs. Je retiens. Je suis content de ne plus être la priorité, ça fait plaisir. Bah, t'es pas je suis. T'es pas importé, enfin, pas vraiment. Donc. J'ai Alt-F4, je rage quit. Alt-F4. Non, mais de toute façon, le but du jeu, c'est d'éliminer, c'est de faire des dégâts. Il est plus puissant. Il n'y a pas d'allié dans ce jeu, sauf quand c'est Olivier. Nouvelle vidéo du Jean du Grenier. On n'élimine pas les plus faibles. C'est un papy grenier, un nouvel épisode du papy grenier, X-Man. Il avait dit sur le web que sur Twitter. Oui, sur Twitter, et il a dit que ce serait en avance. Une... Ouais, il avait dit même le jour et l'heure de la sortie. Ouais. Il dit non, c'est ça. Je le regarderai parce que c'est JDG, mais Hitman, ça m'a jamais plu. Mm-hmm. Voir cette espèce de chauve qui arrive à se faire quitter les femmes, c'est nul. Oui, j'ai un problème avec les chauves. Non, je déconne, j'ai pas de problème avec les chauves. Bah là, je suis en train de regarder tous les JDG. Franchement, c'est incroyable. C'est un plaisir. Et le sage, toujours avec ses molotov. Moi, je les ai regardés à partir de 2011, donc je les ai tous vus. Mais j'adore le. Que quand tu revois direct les anciens, tu vois l'évolution. Mais il y avait des trucs qui étaient bien à l'époque, c'est qu'il y avait plus de simplicité, il n'y avait pas le fond vert, ils étaient plus. Quand on tire un molotov, ça fait le même bruit qu'un missile, c'est n'importe quoi. Ah bah à l'époque, ils n'avaient pas une banque d'échantillons de son très importante. Ouais, pour le missile, il faut une zone dégagée, comme là par exemple.
Oh la mine. Oh. Mais Tunisian il est bête parce qu'il sait que je joue après lui, il veut que je l'élimine à chaque fois en fait. Mais je m'en fous, il m'en reste plus qu'un, il me reste plus qu'un, je m'en fous, j'ai rien à gagner. Bah ouais. T'as tout à gagner au contraire. Alors avec un c'est compliqué. Oh, j'ai la bombe banane, mais c'est pas possible. La bombe banane. Putain, mais on verra ça après. Non, oh, il va t'achever. Il va t'achever. Non, oh. Il y a plus important à faire dans la vie que achever Twinsen. Il faut le laisser vivre un peu. Oh la vache! Oh, oh la vache! Oh, ah, oui, c'est pas mal. Oh, banane, mais là, laisse tomber quoi! Ah, mais la vache! Arme. Elle est avec cette physique, oh, la menace! Oh la vache! La menace gratuite! D'une violence, mais d'une violence! T'as ouais. Une pour une scène, mais la prochaine fois, je te règle ton. Stéphane Fischer! Sauf si Dragon Sky le fait à ma place! L'esprit de Torsel, ouais, Sam Fischer, ouais. Ah, je suis le jeu. Moi, quand je peux faire des dégâts, je fais des dégâts. Mmh. On m'appelle Dégaman. Il y avait Aquaman et il y a Dégaman. Aquaman est beaucoup plus stylé. C'est plutôt Pureman, ouais. Ouais. Pureman. Ouais, son super pouvoir, c'est d'avoir toujours la patate. C'est vrai qu'il y a deux Rayman, il y a le Rayman d'Ubisoft et il y a le Rayman celui qui a compris. Non, c'est où je confonds. Je sais plus. Je pense que encore Edge qui va gagner. Bah, il a encore jamais gagné, c'est pour ça. Mais il va encore gagner. Edge, je suis sûr qu'il a toujours de la chance dans les tombeaux là. Un sentiment. C'est vrai, je gagne souvent quand même. Dans les tombeaux là. Je crois, ouais. Ah ouais. Ah bah tiens. Je sais pas, je te vois bien gagner dans les jeux de hasard. J'avoue que parfois j'arnaque un peu les gens, ouais. Je par exemple, je me souviens d'un jeu de société de dés qui s'appelle Moule Sabord. J'ai gagné en un lancer de dés. Oh. Est-ce possible? Oui, parce qu'en fait, faut faire un maximum de points selon les symboles qui sont affichés sur les dés. Et j'ai eu le lancer de dé parfait en gros. Oh GG. Merci, merci. Bon là tu cherches vraiment ton arrêt de mort. Hein. Si je suis pas mort, t'es mort. Hein. Ouais, tu l'as eu? Ah tu vas le regretter, il a raison. Par contre j'ai bugué là, je vois, ça suit plus. Ah. Vas-y. Perdu la connexion. Ah. C'est moi, ça m'a. Hein. Bah, moi j'ai perdu la connexion. Il dit que c'est en train de se connecter, il trouve pas. Adieu. Bon, c'est pas grave, je verrai bien ce qui se passe après. Sinon, je suis sur le stream du sage en attendant. Aïe. Bah, je t'avais prévenu, Twinsen. Je t'ai laissé une chance de survie, mais tu l'as pas saisi. Là, Dragon Sky est cher, creusé et tout. Ah Oh la mine, il est là, toi. Oh, elle a fait pchit. Ah, c'est bien. Ça va, t'as de la chance. Ouais, ouais. C'est grâce à Terra, ça, ils l'ont désactivé. Yes, le con. Non, un programme de merde. Hein, qui s'est sacrifié, voilà. Un jeu. Encore un sous-marin anglais. Ouais, et là, j'attends celui qui va dire « Ah, j'aurais pas fait ça. » J'aurais fait ça comme ça. Ah bah, désolé. Faut tuer le max, hein. Le max il y a 4 points de vie. Mm-hmm. Oh la vache. Mm-hmm. Ouais, non, mais j'étais déconnecté apparemment. Tant pis. Ça va, c'était gentil. Je m'attendais à un effet de souffle plus puissant.
coup, il se barre. Alors, obligé de quitter. Ok. Special delivery. Achève, Max. Oui, t'achèveras. Merci. Avec plaisir. En théorie, je devrais me venger, mais c'est pas le moment. Parce qu'il te reste plus qu'un. J'ai tout compris. Et nous, contrairement à JDG, on fait des warps aussi, mais pas les mêmes versions. On fait des warps aussi. Pas besoin de WMD pour s'amuser. Yeah. Dans tes dents, Antoine, Daniel et Dilocine. Je sais pas si ça va marcher. Tel point que j'y crois pas d'ailleurs. Test. Pensez que j'en ai. J'en ai un. Zut. Je ne fais que creuser des galeries, le sage. Hein, je te le dis. C'est juste là pour creuser des galeries, c'est tout. Pas pour... Bon, d'accord, je vais faire couler la maison, c'est pas grave. C'est relaxant, c'est vachement posé finalement comparé à tout ce que j'ai fait les heures précédentes. Là, je suis bien avec vous, c'est un régal. Ouais. Je vous remercie. Ah mince, non! Je crois que t'as pas tout à fait compris le système du missile en fait. Oui. Mais c'est bon, ça, je vais entre vous. Hein. Ah bah, y a plus trop le feu. Non mais j'arrive pas à bien viser avec le missile, c'est ça qui m'énerve un peu. Bah, en fait le problème c'est que tu as tiré sur un pixel, il aurait fallu que tu montes un petit peu. Tu montais un petit peu le viseur, c'était bon. Mais moi aussi hein, je faisais des erreurs quand j'étais jeune. Un petit peu. Un petit peu. Un petit peu. Ouais, un petit peu. Un petit peu. Un petit peu. Tu fais un witch finesse. Ouais, avec son accent, un petit peu. Hein? S'il un ressort, petit peu. Il ressort, d'accord. Ok. Bon, ben, casser le champi. Eh, hey, mine de rien, ça fait trois fois d'affilée d'une zen que je te dégage de la partie. Oh, joli le sage. Merci. Le grimpin, tu peux utiliser autant de fois que tu veux. Alors en game, oui, mais après tu es limité parce que la corde elle est pas infinie. Donc chaque fois qu'il utilise une fois, il perd un coup.
D'ailleurs, c'est marrant parce que dans les premiers jeux, je crois que ça ne le fait plus. On te disait dernier coup alors que tu pouvais l'utiliser infiniment. Ça a été changé après. Je suis content, j'ai fait exactement ce que je voulais faire. Zut. Cool. Fun fun de survivant. Juste ça me plaît pas, j'améliore ma maison le sage. Voilà, c'est pour éviter que des rats viennent m'attaquer, tu comprends? Éviter que les rats viennent attaquer. Ah, je vois, tu fais ça pour envoyer des attaques aériennes sur le prochain coup, non? Attention, hein, les rats, ils attaquent aux cheveux, hein, les rats. J'en ai plus. Là, le sage, en fait, le problème, c'est que t'es au milieu, en fait. Là, d'un côté, t'as moi, de l'autre côté, t'as AJ. J'ai une bonne nouvelle, j'ai réussi à j'ai reçu une information de ma vidéo qui a été avec le son coupé, parce que j'ai fait la réclamation. J'ai cité tout ce qui est le nom d'artiste et puis tout ça en référence. Et du coup, on m'a enlevé la restriction du son coupé. Bien. Voilà. Ouais, t'as gain de cause. Bien joué. Faut toujours citer, c'est assez important. C'est pas vraiment important, mais bon, c'est un peu essentiel. J'ai hâte de savoir ce que va faire. Je ne sais pas moi-même. Ah, c'est de la stratégie, donc des fois, si éventuellement on peut, c'est comme dans les échecs. Réfléchir à 2-3 tours d'affilée, c'est toujours bien. Ah, presque. Ah, ça, tu te fais réfléchir. C'est bizarre. Hein. Dans les échecs, j'avais battu Josh facilement. Oui, c'était sur It Takes Two. Oui. Mais ça aurait pu être un jeu d'échecs quelconque, le résultat aurait été le même. Ouais, je sais pas. Ah, si, parce que c'est. C'était les vraies règles des échecs. Bah, j'ai peut-être oublié ce détail là. Hein. Vous avez refait une partie? Non, vous êtes toujours en combat là. Mmh. Ah oui, je vois dans le stream. On joue sur la même. Est-ce qu'il serait possible de faire une map fermée la prochaine fois? Oui. Non, sinon... ouais, merci. Ah, on peut créer des maps? On peut changer de map. Il y a des maps aléatoires qui permettent de pas avoir le système de ciel. Il y a les armes, enfin, il y a des modes de jeu qui sont absolument géniaux dans ce jeu. Des modes de jeu qui sont absolument géniaux, pardon. Désolé, j'ai vu un gros rat là, il m'a fait peur. Non, il y avait une araignée, tu vois, et j'ai voulu la chasser. Et comme par là, il y avait ton worms au milieu, je ne saurais comment l'expliquer. Vous êtes content que je joue au moins au Worms avec vous au moins? Ah moi oui. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est mieux. On est de fou, moyen de rire quoi. Bah oui. Plus il y a de monde, bah plus on rit. Hein. Voilà. Plus on s'amuse. Il y a des musiques un peu stressantes des fois dans le jeu. Ouais, comme celle de la sorcière. Hein. Ouais. Ah. Oh. Le sage. Tu peux pas. Je crois pas, hein. Tu peux essayer, mais. Faut que tu mettes juste un bout de l'extrémité. Tu la décales vers
Tu peux, mais... Ouais, par exemple. Ah, ça va. Ah ouais. Pour un tour, c'est tout. Hein. Tu charpentes? On va dire ça. Ou t'es plutôt la poutre de Bamako? Ah, la fameuse poutre de Bamako. Ah ouais, t'en es jaloux, hein? Un peu, ouais. Ouais. Et Black Mamba aussi, je suis jaloux de lui. Est-ce que c'est un bon catcheur, Black Mamba? Ouais. Il y a pas un catcheur qui s'est appelé Black Mamba? Je crois pas, non. Ah. C'est pas un personnage dans... Kill Bill? Je pense plutôt, oui. Ah, je connais pas Kill Bill. Enfin, je connais de nom, mais après, j'ai jamais non, regardé. Non. Kill Bill, pas Cœur Bill. Oh là 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 là. C'est quoi ce mélange avec une tavelle, là? Ça y est, cerveau, erreur 404, tu m'as fait bugger. Oh, mais c'est tout le temps, on est en 404. Va prendre ton kiki sur ton lit, là. Tu sais, la petite puce qui te prend cool, ça. Fais pas trop le malin, je peux t'éliminer. Ah, c'est bon. Moi, je suis déjà mort avant vous. Hein. Je peux me retrouver seul avec le sage, hein, si j'ai envie. Bon, allez, vous butez, là, comme ça finisse, là. Oh, j'aime bien les parties à rallonge. Moi, ça me dérange pas. Hein. Oh, mais le sage, il se met en mode... Je sais pas quoi, mais... Qui met... Le problème, c'est que... Parfois, c'est... Ouh là là, assez dangereux du bord à la flotte. Hein. Zut. Si le sage se démerde bien, que le vent est favorable, il peut... mais ça peut se retourner contre lui, c'est tout double. Ah voilà, il a réussi à sauter. Et il va reprendre des vies, de l'énergie. Voilà. Faudra qu'un jour quelqu'un me fasse une partie personnalisée, si ça te dérange pas. Il aura qu'à décider des armes, que je puisse décider des armes, du nombre de caisses, le nombre de vies des wands et tout. Après, faudrait que tu trafiques ta box, Funfan. Si tu dis bien qu'autrement, c'est pas possible. Non, si une tierce personne le fait pour moi, c'est oui. Oui, je plaisante. Mais oui, si je trafique ma box, ouais. Moi, théoriquement, je peux faire une partie personnalisée. Oui, tout le monde peut. Ah, c'est en aérien. Oh, je voulais pas en aérien, moi. Ah bah, là, non. Ouais. C'est une grenade. Non, là, à mon avis, tu peux pas. Ah, si. Il t'a bloqué avec les poutres. Oui, tu peux le dire, je l'ai poutré. Oh là là. Ah, c'est pas mal. Voilà. Je suis obligé, il me coince. Zut. Le sage, il s'amuse à me mettre plein de poutres. Je rappelle qu'il y a Chine, ouais. Il y a plein de vie et personne ne veut s'en occuper. Au moins, tu auras la poutre apparente. Ah ben voilà, on a ça. Je te garde uniquement pour ça, Eki. Oh, le monstre. Ah ben, on se sert dans ce jeu-là, on se sert toujours des alliances de circonstances. Non, chenapan. Mais qu'est-ce que c'est que ce temps là? Alors qu'il n'y a pas de vent, ça tombe même pas au milieu.
Enfin, bref. J'ai eu le feu au cul. Gentiment. Attention, elle est sortie. Oh, bien, il a touché, ouais. Et il s'est planqué comme un rat. Oh putain! Non! Oh putain, non, pas la mort subite! Mort subite. J'ai perdu. Oh là là. Je m'attendais pas à ça. Donc ce sera une victoire de Edgier qui va encore. Est-ce que cette fois Edgier va casser sa deuxième place? Il va casser son PEL. Là, au moment où je casse tout ce qu'il faut pour. C'est risqué qu'il fait Edgier là. Entraîné à la risqué. Reconnais que je t'ai bien entraîné. Pourquoi vous aimez pas la mort subite? Pas m'achever. Je préfère la bière à mort subite, hein, c'est meilleur. Ah, en plus le niveau de flotte il monte. Oui, c'est ça la mort subite. Ah ouais. Le chat, le. Ouais. Allez, vas-y, achève-moi le sage. Remets une poutre, il est soigné. Une petite dynamite au pire. Ça va se terminer avec le petit-fils et le grand-père. Pourquoi tu fais ça, le stage? Tu prenais le bazooka, tu me tirais une balle de bazooka, ça me touchait, j'étais mort direct. J'ai le droit de faire durer le plaisir. Exactement. Pas le droit de crier. Faire durer le plaisir et le suspense. Voilà, illustration de ce que je dis. Voilà. Bien joué. Bon, Edgier, est-ce que tu vas casser ta deuxième place et on se retrouve encore en duel? Ouais. Oula, faut remonter là. Les mecs, faut que je remonte. Ouh là là. Faut remonter, ça sent le. Regarde. Quel suspense. Du sage aussi, c'est un caca. Pourquoi? Je crois que l'eau ça monte. Hein. Et l'eau et le feu ça descend. M'en fous, j'ai réussi à remonter donc. Au moins ça. Allez, voilà. Le raid aérien, il faut tout soit l'utiliser pour des stratégies ou pour le garder à la fin. Excellente démonstration. Bien joué. Victoire ! Ouais. Comme ça. Alors faudrait créer une partie. Bon ben Edgier, il aura fait quand même toutes les manches, tu auras fini deuxième. Bravo Edgier quand même. Ouais, bien. Ah, le fallait pas. Ah, ben j'ai perdu la connexion. C'est normal, je rejoins la partie, Funfall. Bah oui. Mais oui, mais fallait rester, il y avait. Oh. Bah, moi, je laisse ma place. Ah, ok. Ouais. Bon, alors je vais vous lire les. À moins que Jay veut le faire. Tu veux lire ou tu veux lire? Je reviendrai tout à l'heure sans vocal. Bon, ouais, ok. Je lis la partie information, tu lis la partie des prix, Edg, comme ça on fait. Attends, c'est juste un truc. Là, c'est marqué connexion, serveur perdu. Si j'appuie sur OK, ça va quitter. Ah, moi qui l'ai, bon, d'accord. Fin de la manche 3, durée de la manche précédente 31 secondes et 41 secondes. Temps total écroulé 1 heure et 16 minutes. 50 vers ont été tués au cours de cette partie.
1497 dégâts ont été perdus au cours de cette partie. FunFan remporte le match. Vert de la manche, Max FunFan. Dégâts maximum à un seul tir, 230 vertige, vert à l'envers. Gouve Frobos a gagné le prix du meilleur tireur pour une pression de 80%. Nous saluons le Sage ou pas pour les mettre du côté obscur. Le Sage ou pas a été l'équipe la plus soporifique. Les Worms maintenant. Le prix du vert est décerné à Max avec 8 victimes. Dégâts maximum à un seul tir, 230. Le prix du meilleur tireur a été remis à Vertige à l'envers avec 2 victimes et 230 dégâts. Le prix de la précision a été remis à Jordan Pickford, Angleterre, avec un pourcentage de cible touchée de 90%. Énorme. Vert Luron a gagné le prix de la stratégie. Alexandre Arnaud a gagné le prix du meilleur divertissement. Le prix Beb Rush est décerné à Jordan Pickford. Je ne sais pas ce que c'est. Le vert le plus rasoir est Alexandre Arnaud. The Fun a été le plus nul. Ah ben d'accord. Mais j'ai été le plus nul. Bon. Ville Luron est passé du côté obscur. Et Laura Intello a pris une teinte jaune. Voilà. J'ai pris une teinte jaune. Ok. Voilà. Ah, c'est marrant. En fait, le sage, c'est pour ça, avant de quitter, il faut le lire le truc et après pour lancer. Merci, merci. Qui est parti en fait? Là. Ouais, bienvenue. Je suis désolé, Edgy, hein, t'as pas eu de chance sur ce coup. Edgy n'est pas là. Allô? Ah, moi, je suis là. Alors, qui reste en fait? Dragon c'est Sky, bon. Tu restes avec nous? Et cette fois, on le fait avec des équipes, non? Pour changer, pour pas que ce soit toujours la même chose. On met non, les sacs, on peut pas faire des équipes. Bah, si, moi, je me mets tout seul et vous faites deux équipes de deux. Ok, problème, c'est pour l'équipe A. L'équipe de Nancy contre l'équipe... Alors j'ai une info par rapport au trophée Babe Ruth. En fait, Babe Ruth est un ancien joueur américain de baseball. Donc... Drac... non, c'est qui s'est pas rajouté? C'est AJ. Ouais, je sais, je sais. Je fais juste un truc. Bonjour Ronny, j'espère que tu vas bien. Bonjour Ronny. Bonjour. Bonjour. Moi je me mets tout seul hein. Moi le sage je me mets tout seul hein. Mets-moi tout seul et mets-moi que deux wands parce que comme ça on équilibrera les trucs. Il a pris Italia. Et ah, c'est toi et à la place tu me mets un petit plus là, tu vois où il y a tous les barrés à côté de la couleur. Voilà. C'est des handicaps et des avantages, comme ça j'ai un peu plus de vie que vous, mais j'ai que deux wands et je suis tout seul. Mmh. Okay. Donc, j'ai aucune chance de gagner normalement. Hein. Merci pour l'hébergement, mon cher Rooney. Merci. Il y aura pas l'alerte plein écran parce que, enfin, je crois pas, parce que je suis en écran un peu cassé là, mais merci tout plein, c'est très gentil. Donc Dragon Sky, tu es avec AJ, donc tu tires pas sur les Worms verts. Même si j'aurais préféré avoir la couleur verte qui m'a porté chance, mais je vais prendre la jaune. L'Italie, c'est vert. Mmh. Ça y est, vous êtes prêts? Ouais. Ah oui, je vous laisse. Est-ce qu'il fait les guirlandes de Noël? Au sage, comment on fait pour éditer ses propres cartes? À moins qu'il veut que j'explique plus tard. Bah, si ça n'empêche pas de lancer la partie et que tu expliques tout en même temps, ce serait cool, merci. Bah, ça peut. Non, ça va, je t'expliquerai après. Tu peux avoir la couleur verte si possible. Ouais. Tu veux de couleur verte? Mais tu leur donnes une autre couleur. Ils veulent ouais. Quoi, Edgy et Dragon Sky? La couleur du Brésil, c'est donc. Rouge. Bon. Violet, rose, rouge, jaune. Turquoise. Choisissez. Edgy, t'es toujours là? Oui. Vous, tu veux quelle couleur, Edgy? Il nous a demandé, on veut quelle couleur? Oh, peu importe, moi. Peu importe. Et toi, Dragon Sky? Peu importe aussi, hein. Bon, bah, vous prenez le jaune alors. Est-ce que vous pouvez cliquer allumer votre ampoule? Merci, on aimerait démarrer la partie. Non, j'ai pas payé la facture, c'est pour ça, ça coûte trop cher l'électricité. Et le truc en fait, quand tu cliques sur l'ampoule, ça. Alors là, vous voyez, il y a une grosse barre jaune sur la map. Cette barre jaune veut dire qu'il est impossible de faire des attaques aériennes. Donc là, je peux pas gagner avec une attaque aérienne. C'est pas possible.
Il n'y a pas de paix à papa en italien? Je sais pas. Je vais vérifier. Ah, tu as laissé le mode intermédiaire, le sage? Je crois. D'accord. Ah ben ça fait un français, un italien, un français, un italien. C'est rigolo. Et il y a le français tout seul. Leonardo. 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 Oula, la carotte, elle me donne des drôles d'idées. Ah mais ça va jouer. Oh quel nul. Non, c'est au sage. Ah. Ah d'accord. Oui, parce que du coup, Dragon Sky et Jay et le sage et Frobos, vous jouez un tour sur deux. Vous partagez vos tours. Yes. Ouais, bien joué. Un joli coup. Merci. Ah oh, ben, je ne peux qu'approuver. J'ai eu aucun dégât collatéral. Épinard. Glagla, Sandro, Donali, Chiquillo. Oui, je sais, c'est moi qui a nommé mon Worms, pas de Tépinard. Ouais. Des, oui, l'apéritif, quoi. Ouais. Ouh, oh là, c'était quoi ce truc-là? Ah, c'était quoi ce truc? Bah, j'ai fait exploser un baril. Ah! Ok. J'ai perdu pas mal de vie, hein. Ah ben c'est à mon tour. Priorité au vert. Oui mais quelle couleur? Bah les verts. Mais quelle couleur? Mais les verts. Je vais dire à Bastos que il y a une place de libre même. Ah oui Bastos, si t'es sur le stream de du stage, on a une place de libre. On peut recommencer la partie si vous voulez aussi. Comme ça, ça fait des équipes équilibrées. Équipe de deux. Ouais, avec Bastos. Fais-nous un signe si tu nous entends, Bastos, si t'as la tête entre deux cartons. Il a envoyé un message par FB. Il va bientôt nous rejoindre, Bastos. Il nous rejoindra vers 18h, je pense. Ah, il a dit bien. Oh non, mais c'est vilain, ça. Je retiens. Je vais pas changer. Oh, c'est chiant ça. Oh non. Bon, je vais faire un petit. Je vais creuser un petit peu alors. J'ai envoyé Yo, on a une place de libre. Ah oui, ça s'arrête pas alors qu'il y avait un coup, faites fan. Ah si. Ah non. Bon, j'ai joué. Faut chier, machin là. Oh. C'est chier de m'envoyer des pubs. Alors, je sais pas trop ce qui s'est passé du coup, mais c'est pas grave. Toi? Ouais, j'ai vu. Bon. Ne me dis pas qu'il y a une pub sur mon direct. Non, c'est pas ça. Ça n'a rien à voir avec mon direct. Ah, tu m'as su. J'ai une notification Windows, là, il faut que je l'élève. Du coup, il m'a envoyé une pub pour Detroit Become Human, mais j'ai déjà le jeu depuis quelques années. Worms. Ah bon. Mais c'est bien, AJ, quand même, tu te débrouilles bien. Merci. Mais non, mais comment je vais. Quelques mois d'expérience, tu m'as déjà rattrapé. Hein. J'ai fait un petit passage, si tu veux, le sage. Ça prend vite. Ah, je vois. Merci. Pas tout à fait terminé. Alors que je regarde bien. Oh merde. En fait, l'inconvénient vraiment de jouer en équipe parce que. Bon, attention, si tu vas. Fais gaffe, tu vas tomber dans le vide. L'inconvénient de jouer en équipe, c'est que voilà, on a un tour sur deux, quoi. C'est chiant. Bah, comme sur jeu normalement. Jusqu'à l'équipe. Moi, j'ai tous mes tours. Je pense que la maman, elle va y passer à la casserole. Ouh là là, c'est un peu risqué ça, mais bon.
Ouais, ça va. Je te ferai la peau. Je te ferai la peau. Le rat, Basta, s'il arrive, si on doit refaire les équipes, je me mettrai avec Dragon Sky et Basta s'il se mettra avec Enchi. Oui, oui. Okay. Oh, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ou sinon, on peut faire aussi. Si on fait vraiment par niveau, il faudrait plutôt que ce soit Bastos avec Frobosh, le stage avec EJ et moi avec Dragon Sky. Si on veut faire vraiment équilibré, d'après ce que je vois, votre façon de jouer. J'aime bien comment Kitty que je suis nul. Non, je pas dit que nul. Non, je plaisante. Attention, Dragon Sky, c'est à toi de jouer. Ah, pas. Ah. J'ai même pas remarqué par mon beat. Ah, oui. Pas que c'était EJ, d'accord. Non, bah laisse tomber. J'ai pas pu faire une action, tant pis. Oui, parce que j'ai pas fait gaffe autant. Ouais, j'ai pas fait gaffe autant parce qu'il était plus court que d'habitude le temps. Ah non, le temps il est pareil pour tout le monde. C'est 45 secondes plus 5 secondes de. C'est juste que t'as pas fait attention. Ouais. Ouais, mais il me semblait que le temps avant était un peu plus long. Sur le mode parti avant. Non, oui. Il était à 60 secondes le temps. Oui, oui. Mais mourir, mais pourquoi il saute? Oh non! Tu parlais sur la partie. Ah, tu parlais sur la partie précédente. Oui, parce que le sage a choisi le mode intermédiaire et non le mode classique. Excusez-moi d'avoir hurlé pour vos pauvres oreilles. Désolé, c'est ça m'a surpris. Descends. Un super mout. Mais je sais pas. Vous en pensez-vous? Vous me direz, mais moi je trouve que jouer en équipe c'est plus long que faire une bataille royale où chacun est contre soi. Oui, c'est plus long. Ouais, on est d'accord. Le fait qu'il par exemple que son équipier joue un tour. Hein. Faut surtout éviter les cibles. Donc ça prend encore plus de temps. Faut calculer encore plus ses coups. Comme que je joue face caméra. Il va y avoir de la corde ninja là parce que c'est en train de me gaver. Oh. Ah, il gave et je suis chaud. Ouais. Et d'ailleurs, il a fait sensation ton clip sur la rame. Merci. Ah ouais. Personne s'attendait que tu dises ça sur la rame. Ah, j'ai quand même fait mal, c'est quand même terrible. Voilà, en fait, j'ai l'impression que le niveau de déflagration de la dynamite, c'est plus que le cercle qu'elle fait en dégâts. C'est plus grand. Oh, il va me lancer une petite dynamite là. Non, c'est une grenade, j'ai pas de dynamite. Comment affronter tous mes ennemis en même temps? Pour nous fâcher, ça à mon tour, voilà. Ouais. Bien, Dragon Sky. Bien joué. Oh. Je me suis pris un tout petit peu de dégâts, mais j'ai fait couler trop boss. Hein. Torpedo. Je sais pas si c'était moi. Bon. Alors attends, je vais m'occuper du cas de Fanfan. Pour l'instant, il faut que je me dresse de la Gornicha. On va pas me tromper, c'est espace pour tirer. Voilà. Attention de pas retomber, sinon mon tour est foutu. C'est bon. Ok. Malheureusement. Je vais faire une petite dynamite. Parce qu'il y a la dynamite, j'en ai plus. Oh non, j'ai pas de dynamite. Là, il y en avait qu'une seule, elle a été utilisée par un de vous deux, je sais pas lequel. Il me reste 14 secondes pour attendre. Bah moi aussi je suis en écran cassé pour pouvoir jouer. Attention. Bien. Je pensais honnêtement que le pixel allait te faire mortier. On voit si tu changes toute ma stratégie. Oh non, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ah bah, ce que j'avais dit juste avant a été illustré. Merci, mon boss. Ouais.
On a un coup de batte. Non. Quand t'as pas de dynamite ou de mine, tu prends ça, ça fait pareil. C'est efficace, ouais. J'aime bien, chaque fois que t'as des... t'as fait une victime, t'as un commentaire et marqué Max n'a aucun mort. Oh, ah, il avait tout d'un coup. Ah, Dragon Sky, t'as été sacrifié pour l'équipe. Ouais. Je te jure, la physique du jeu est tellement merdique sur ce point-là que on le voyait même pas. La Nona, elle est partie. En fait, quand t'as un doute, Edgy, ce qu'il faut que tu fasses, c'est appuyer sur la touche sup. Comme ça, tu as le truc en grand, tu les vois sur les trois étages, les noms des Worms, et ça te permet de voir s'il y a un équipier ou pas. Ouais, je sais, mais même avec les genre les deux Worms étaient parfaitement superposés, en fait. Donc je l'aurais peut-être pas vu. Alors le sage, il est en train de réunir tous les Worms dans un... dans un guet-apens. Attention au pixel. Hein. Non, là, y'a rien là. Ah, si. Ah, ah oui, les pixels. Il aime bien le molotov là. Mais non, papa Provost, il aurait pu mourir, quoi, c'est pas bon. Mais c'est pas grave. Mm-hmm. Le but, c'est de gagner, pas de survivre. Donc si tu fais des dommages collatéraux, c'est pas si grave. Dans pas longtemps, on va passer à la mort subite. Non, il y a encore un peu de temps. 11 minutes. Normalement, ça partait de 15, je crois. Ah. Pour l'instant, les anciens se font dominer. Malheureusement. Pas t'épinard. Ah, c'est un Dragon Sky. Pas tes pieds. Oh bah. Donc, qu'est-ce qu'il va faire, Dragon Sky là? Une petite dynamite, un petit coup de fusil, un coup de roquette. On va voir. Le vent, ça joue dans les grottes? Je comprends pas. Oui, le dans le jeu, le vent, ça joue sur partout. Ouais. Oh là, j'ai fait une sacrée chute. Parce qu'en fait, il faut aller au-delà. Il faut sauter pour aller plus vite que la dynamite. Alors que la dynamite explose. Est-ce que va nous faire Frobost Nono? Non, 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 non. Plus vite, machin. Mais c'est bien de changer les styles de partie, le sage, comme ça on a des trucs différents. Mmh. Et ça, c'est vrai que la rejouabilité du jeu est juste infinie. J'ai fait je ne sais combien de parties, aucune n'a été la même. Même en prenant les mêmes modes de jeu, en prenant tout ce que vous voulez, il y a toujours quelque chose qui se différencie. C'est ça qui rend le jeu très fun, en fait. Et fun. Ouais. Ah oh, merci d'achever le... Oh non! Quoi, oh non? Ah oh, je crois qu'elle allait m'arriver dans la tronche. Là c'est à moi. Mais... Un petit coup de batte au piqueur, comment j'influence les joueurs. Non, regarde, c'est de la chiotte. Faut vraiment, seul. Faut jouer un peu plus sur la longueur de la corde. Ah. Non, il faut arrêter. Ah bah là, je crois que le trouble fait, il le bloque. Mm-hmm. Ah merde. Le sage qui se bloque lui-même. Bah oui, Rekis. Le sage s'est bloqué tout seul. Ah bien, malin de la part du sage. Il est plus que les...
Il m'a compté double barre d'espace au lieu d'une fois. Ah, vaut mieux en rire. Ridicule. En fait, il va gagner par erreur de ses adversaires. Moi, j'arrive pas à faire des doubles sauts avec tes verrans. Pour faire double saut, je t'ai dit, c'est la touche arrière, celle qui est au-dessus de espace. Okay. Touche arrière, celle qui est au-dessus d'espace. Ouais. La backspace, retour arrière. Au-dessus d'entrée. Ouais. La flèche qui va à gauche. Pas la flèche directionnelle. Pardon, la flèche en haut. Ouais. Là où je suis rentré. Effacer, retour. C'est à toi de jouer, ton monstre. C'est pas Twinsen, c'est à. C'est à toi, Dragon Sky. Ah, c'est à moi, d'accord, ok. J'assure 30 secondes. Ouais, ouais, je sais, ouais. Je vais peut-être faire. Ah non. Je pourrais faire peut-être deux pieds en un coup, mais bon, ça ira pas. Bah, tente toujours. Par contre, fais gaffe, le bout portant du fusil à pompe, ça fait mal. Pour toi aussi. Ouais, ouais. Pour reculer un peu si tu mets un coup de pompe. Robot, ce qu'il a joué faire plus. Oh, c'est un jeu, hein. Ouais. Oh non, il faut reconnaître que quand même, ce qui est bien dans ce jeu, c'est que, et ça c'est une grande qualité du jeu, c'est que il n'y a pas besoin d'avoir joué, d'avoir tryhardé pendant 100 ans pour avoir un niveau correct, quoi. C'est un jeu qui est vraiment accessible à tout le monde. Non, quel con. Et surtout, on apprend plus dans ce jeu quand tu vois comment les autres jouent. Dès que la situation se répète, tu te dis, bah, je vais faire comme ça, je vais faire comme ça. Ah, j'ai oublié de mettre le retardement de la grenade, j'aurais plus trop eu le temps. C'est pour ça que... Que la dynamite, c'est 5 secondes, c'est ça? J'ai essayé, j'ai jamais essayé 7 ans. Tiens, on peut avoir un jackpack. Il est invisible, il est invisible. Ouais, oh non ouais. C'est fou. Oh, non. C'est très très fourbe. Oh non. Comment c'est... ça c'est invisible? Bah oui, il a l'invisibilité. Oh là 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 là. Tu vas le regretter. Oh non, on va me tuer. Je vais tuer un autre avec. Propose pas. Éliminé. C'est très vicieux ça, le truc invisible. Je savais pas comment ça marchait. J'ai jamais utilisé cette arme alors. Ah ouais, je crois qu'il faut l'utiliser mais se rendre invisible. Ah d'accord, je reste invisible tant que j'utilise pas d'arme. Bon bah je le saurai pour la prochaine fois. Je découvre encore des trucs hein. Parce que les super armes, j'ai jamais l'occasion eu de les avoir hein, parce que j'avais que la démo. T'as joué à la démo uniquement de Worms quand t'étais gosse? Non, j'ai eu après bien plus tard la version. Oh putain, regarde-moi ça. Comment c'est même. Je t'ai même pas tiré dessus. Je préfère avoir les deux loustiques. Non mais c'est normal, il y a un moment, il faut... On est là pour mourir, hein. On est là pour mourir. Comme vous êtes en équipe, les victoires vont par deux. Hein. Donc c'est-à-dire que... Même s'il reste qu'un seul Worm, il fait gagner son équipier. Admettons que le sage a été éliminé, que Probos gagne la partie tout seul, il donne une victoire au sage. C'est quoi ce bug d'infogramme là? Box d'infogramme, le sage là. Arrêtez avec un programme, c'est Microprose qui a fait. Oh, oh non. Oh, c'est joli. Cette chute. Vous avez déconcentré le sage. Ouais, c'est pas grave. Voilà, il met 5 secondes, du coup il est tranquille. Pas d'épinard, paf. Allô. Oh, de justesse. Waouh. Bah finalement il y a 18 minutes de jeu mais c'est toujours pas mort subite. Ouais. Ah d'accord, le timer au-dessus ça représente les minutes. Ah je bah, c'est, oui. Ça représentait bah, que ça y était pas à l'époque ça. Ça existait pas, ça a été rajouté après. T'as oublié de cliquer sur la cage, activer le chrono. À l'époque. Il n'y avait pas l'époque. Ah. Je vais me faire attention. Ah non! Mince! Bah, la Dragon Sky, en plus, tu viens de gaspiller un jackpot.
Ouais, c'est sûr, mais là... En fait, le jackpot, il faut appuyer une fois sur espace, et ensuite, tu appuies sur les touches du clavier. Mon haut et bas pour te montrer. Ouais, bah oui, mais bon, j'apprends. Hein. Ouais. Allez, un petit coup de pompe, là. On va se débarrasser de lui. Il est tellement gratuit. Je tirais très près. Non, plus haut. Non, parce que t'as dit même tu peux te prendre des dégâts avec le pompe. Oui, si tu es prêt. Ah ouais. Juste... Bah, il y avait 25. Ouais, c'est ça, bien. Est-ce que je la fais fair play? Je tire sur les Arduino Bunchy. T'en penses quoi, le sage? Je demande ton avis, je termine sur FunFan. Et le sage, qu'est-ce que t'en penses? C'est comme tu le sens. Ok. C'est comme tu le sens. Bon. Moi, à ta place, j'aurais tiré sur Max. Quand on peut éliminer un Worms, on élimine un Worms. Ah, j'ai tiré sur Max, hein, c'est bon. Oui, non, mais je te le dis. Dans les Worms, quand t'as une occasion de faire une victime, tu fais une victime. C'est tout. Ok. J'essaie pas de... Ok, c'était pas ironique. D'accord. Non. Oh, dis donc, c'est le pro FunFan là. Oh non. Ouais, un magnifique spectacle. Hein. Voilà comment on sert d'un missile. Ah bah AJ, il est content, il va avoir tous ses tours maintenant. Mais il y a encore espoir pour toi, Dragon Sky, il y a AJ. Donc ne faire pas des espoirs. Ben non. Oh putain, la hitbox de Infogramme. C'est claqué du cul. Mais arrêtez avec Infogramme, bon sang, laissez-les tranquilles. Ah, ils sont partis, ils sont mauvais. Oui, mais c'est pas Infogramme qui a développé le jeu. Je sais, mais c'est quasiment pareil. Là, le sage, tu l'as récupéré avec un saut, t'avais pas besoin de la corne ninja pour récupérer la caisse. Le saut ne passait pas, je devrais croire que j'avais fait avant, et c'était trop abrupt. Il fallait faire le saut arrière. Ça, c'était bon. Pas le... Bon, c'est pas grave. Il y a trois façons de sauter. Vous pouvez sauter à l'avant, à l'arrière, ou faire le super saut arrière. Le truc m'en convainc pas. Ah, Ronny, là. Ça va, Ronny, on t'a même pas demandé. J'espère que tu t'ennuies pas, on est sur une partie de Worms Armageddon. Worms. D'ailleurs, c'est considéré comme le meilleur des Worms de la génération 2. Oui, mais encore merci à Ronny d'héberger mon sélection sur mon tête. Merci, c'est très gentil. La creuse, là, paf. Est-ce qu'il y a eu... Pourquoi c'est le meilleur des Worms pour les fans, en fait? Quand il y a eu les... Je crois qu'il y a eu le premier Worms qui, bon, il a eu un bon succès, mais en termes de graphisme, il est moins beau, gameplay un peu moins bien. Après, ils ont sorti Worms 2. Worms 2 était sympa. En termes de gameplay, c'est identiquement... Oh, merde, bon. Il n'y a pas de grosse différence, en fait. Mais le problème de Worms 2, c'était son interface un peu, qui était, comment dire, vous restez sur Windows et il n'était pas très pratique. À part qu'il y avait des caisses TV en plus qui n'existaient pas. Mais sinon, c'est le même. Il tombe droit la mine. Pas le rebondi droit. Ouais. Donc voilà. Après, ils ont sorti Worms Armageddon. Worms Armageddon, ben voilà, il a porté ce. Cette interface que vous connaissez, il apportait les entraînements à nouveau pour débloquer carrément la médaille d'or, pour débloquer la totale, la meilleure des options, le match à mort, les combats contre l'ordinateur. Il apportait les combats jouer ensemble, plus le multijoueur. Il a apporté tout ce qui fait la base de la série. Quoi. Enfin, peut-être Worms 2 avait un multijoueur, pas sûr. Creuse dans le pneu dans la chambre à air, FunFan là. Pour déloger de Skidio. Des Skidio. Ah, c'est autour des G. Donc, il a porté le match à mort contre l'ordi, un mode 1 contre 1 contre l'ordi, les entraînements, les missions, pour avoir la totale, un système de médailles. Il a porté tout ça.
Alors c'est vrai qu'à l'époque, il avait été mal noté par JVC parce que le gameplay n'évoluait pas, les graphismes n'évoluaient pas. Donc il avait été considéré comme très peu d'évolution. Donc après, ils ont sorti Wank's World Party. Wank's World Party n'a pas plu aux fans. Pourquoi ? Déjà, il avait le même interface que Armageddon, mais vraiment pareil. À part que tu avais directement la totale, tu n'avais plus de médailles pour faire les entraînements, tu pouvais directement accéder aux missions. Et donc, il a été un peu boudé par les fans. Le seul truc qu'avait de bien Wank's World Party, c'est qu'il était pour Windows XP, parce que Armageddon ne marchait que pour Windows 95-98. Les premières versions. Donc voilà. Je crois qu'il a dit connard, je suis pas sûr. Donc voilà, donc après du coup les gens n'ont pas apprécié ce Worms qu'ils ont considéré qu'il n'apportait pas d'évolution majeure. Du coup les gens sont restés sur Armageddon. Et après Worms World Party dans les années 2000, ils sont passés à la 3D. Les premiers Worms en 3D étaient catastrophiques. Notamment Worms 3D, Worms 4 aussi je crois qu'il était en 3D. Worms 4 Undersea, j'ai pas ouf. Il est en 2D ou en 3D ? J'ai jamais joué. Il est en 3D, Under Siege. En 3D. Voilà, donc il n'était pas ouf. Worms 3D, la précision, elle était digne d'infogramme, vraiment. Donc, si vous voulez, ça fait un flop. Du coup, les gens sont restés sur Armageddon. Oh ! Ah ! Du coup, la mine te retombe dessus. C'est ironique. C'est pour ça d'ailleurs que quand vous envoyez une mine dans le jeu, vous ne. Comment dire C'est pour ça qu'une mine peut toujours servir à tout moment. Je tente, mais je suis pas sûr. Ah putain! J'aurais dû le laisser prendre. Donc après, il est sorti plein de Worms 3D qui n'ont pas marché. Donc les gens sont vraiment restés sur Armageddon. Enfin, du moins, les personnes qui n'avait pas sur XP, mais comme 98 a duré longtemps, 98-15, et aussi parce qu'entre temps, il commençait à sortir des patchs pour le faire fonctionner sur Windows XP. Et donc, jusqu'à l'apparition de Worms 2, tellement le jeu était populaire, et Bastos y a joué, ils ont sorti un Worms Armageddon 2, qui était sorti en 2009 pour fêter les 10 ans de Worms. Armageddon, c'est pour vous dire à quel point le jeu était populaire. Et donc, pour finir, et après, ils ont sorti un bon Worms en 3D qui s'appelle Worms 4 Ouais, Worms 4 Mayhem qui est mon préféré, j'y ai beaucoup joué. D'ailleurs, je l'ai acheté, il était sur GOG, donc je ferai un jour la campagne. Parce que j'aime beaucoup aussi ce Worms. Parce que vraiment, il améliore bien les défauts du gameplay de 3D. Et c'est un des Worms 3D, c'est le Worms 3D le plus abouti. Mais après, ils ont préféré revenir sur des Worms 2D en refaisant une réédition d'Armageddon. Voilà. Ah, il n'y a pas autant de monde. Et donc, voilà. Et donc, après, il est sorti un Worms, j'ai plus le nom, avant 2UMD. Je sais plus comment il s'appelle. Et entre Worms Armageddon 2, et puis voilà, où on en est. Maintenant, bon, ils ont aussi sorti un Worms Battle Royale, mais qui n'a pas plu aux fans. Enfin, je crois que ça marche pas, et puis voilà. À l'époque, le créateur de Team 17, il disait que justement, il voulait que Team 17 se diversifie, et ne soit pas reconnu simplement en faisant des jeux pour les Worms. Et je dirais à ce monsieur que quand il s'y regarde la crise de 2008 et les crises qu'on mène aujourd'hui, il a de la chance que la société soit encore debout parce que les Worms, c'est quand même d'un Worms à l'autre, ça n'apporte pas énormément de nouveautés. Même si ils sont pas mauvais, hein. Ils ont apporté des grandes nouveautés sur les derniers, mais je veux dire, il faut attendre 4 ou 5 ans, 4 ou 5 versions pour qu'il y ait une vraie nouveauté, sinon c'est un peu toujours la même chose. Ils ont eu la chance, Team 17, de ne pas faire partie des sociétés qui ont coulé. Voilà. Ah, il n'y a plus que nous trois, d'accord.
Robot social a été éliminé. J'avais pas vu. Robot, c'est toujours là? Il a muté son micro juste. Ah merci Dragon. Ah excuse-moi, ah, oui, je suis là. Je suis là. J'étais tellement pris dans mes explications que j'ai même pas vu à quel moment t'as été éliminé. Je sais plus. Ah, tu veux abandonner, IG? Ah, tu veux téléporter, ok. Est-ce que ça vaut le coup de récupérer? Ouais, j'avais oublié de vous le dire, en équipe, vous partagez vos armes. C'est vraiment de l'équipe, c'est-à-dire que, comme vous l'avez vu, s'il y a une seule dynamite, c'est le joueur qui l'utilise qui prive son autre équipier. Oh, j'ai si faible pour pas l'attaquer. Il y a moins de 10 points de musique que The Fun, pour moi. Ouais, mais normalement, c'est la cible la plus proche. On dirait les zinzins de l'espace. Ah non, c'est un caddie. Je croyais que c'était la tête d'un... Mort subite, voilà. Ah, à 29 minutes. Une poussette, tu veux dire? C'est certainement pas un chariot de course. Oui, c'est... oui, un poussette, pardon. J'ai du mal. Tout va se jouer maintenant. Aïe. Hop, louf, louf, le... Bonne fan, louf. Ah. La stratégie, c'est d'être le plus haut pour vous laisser vous noyer. Ah. C'est pour ça que je monte tout en haut. Tu veux monter encore plus haut? Ah, je peux pas, je pense. Il a la boîte de conserve, le couvercle. Ah, ah ouais. Mais t'es loin là, t'es loin des tirs. T'es secure. Tout le monde va monter en haut. N'inquiétez pas, pour le stream, je ferai exprès de perdre des parties. Histoire que ça dure. On met fin à ce trouble fait. Bon. Excellent. Yeah. Le suspense, j'adore. Ouais, il prend son temps. Ouais, il vaut mieux pas te prendre de risque, tu as raison. Mais attention, si sa mort, si elle te retombe dessus, à une vie, t'es fragile. Hein. La moindre chute, le moindre machin, le moindre... Je te ferai la peau, 30 points alors que... Ça va. Oh. T'as pas eu le souffle de l'explosion. Et un de moins. Yo. Qu'est-ce qu'il dure? Le sage avec ses poutres. Il a été charpentier. Ah non. Il a travaillé pour la maison de Frobot. Mais attention le sage, parce que l'eau monte. Donc, J'avoue que je fais n'importe quoi parce que je sais que... Bah en même temps, tu peux pas trop faire grand chose quoi. T'es en haut, t'as pas de cible. Voilà quoi. J'ai pas de raid. À l'usure. Oui, voilà, je mise sur à l'usure. Et Alonso. Ah non, Alonso, c'est pour une scène. Voilà, on s'amuse. Oh, on dirait une souris qui a mangé du gruyère. Et là, pour l'instant, celui qui est mal barré, c'est le sage. Ah, il peut monter. Mais ça va, Dragon Sky, tu te débrouilles bien. Ça va. Et là, c'est le drame. Plus de corps ninja. Mmh. Oh là là. Il peut te tuer. Hein. Quand on a qu'une vie, c'est... Il vise bien, il peut te tuer. Le sage, un conseil, vise mal. Vise mal. Ah. Mal. Maintenant... Merci d'avoir écouté mon conseil.
Maintenant, tu peux le tuer si tu veux. Oui, moi, je peux le tuer. Attends, j'attends que je lui fasse notre travail de bazooka. Zut. Bien que j'ai jamais vu de partie avec l'eau tout en haut, hein. J'avoue. Parce qu'avec l'air, c'est pas possible. Ce serait rigolo. On va voir ça. Toute l'eau tout en haut, mais... La lisière de l'eau, je me demande comment les objets sont en dessous et au-dessus. S'ils sont tronqués ou s'ils sont entiers. Ou... Nancy n'aura pas de victoire. Non. De toute façon, là, ça va être ma dernière partie. Ça va jouer entre Edge et Funfan. Ouais, pour moi, c'est ma dernière. Donc, le test est conclu, on va pas moi qui veux dire. Oui, le test. Du coup, vu que la semaine, le week-end prochain, le sage a très peu de disponibilité, ça nous laisse une semaine de plus pour s'entraîner et on le fera le dimanche d'après. Ouais. Voilà. Pas question qu'on le fasse pas avec le sage. J'ai besoin de mon modérateur. Là, ce qui va se passer, c'est qu'entre moi et Jay, on va essayer de savoir au bazooka. Quand l'eau est en dessous, il n'y a plus rien. Tu ne vois pas les objets quand ils tombent au boss. Oui. Je ne voudrais pas dire, mais je pense que vous êtes à la même hauteur tous les deux. Si, signore. Si, signore. Mec, pour le délire avec Eddie, on pourrait pas se tuer et laisser l'eau tout en haut. Ouais, on pourrait faire ça pour voir un peu ce que ça fait. Je sais pas si tu pourrais pas essayer de t'accrocher un peu vers la barre là, tu vois, t'as un peu de... Ouais, je vois ce que je peux dire, mais c'est un peu risqué quand même. Ouais, tout à fait. Mais ça se tente. Moi, je vais essayer de voir. Toi, tu vas essayer. Je vais essayer, ouais. Ouais, bah moi, je vais essayer un truc. Donc... Ça va se jouer à la roquette directement. Comme toi, tu peux casser un peu le machin vers le vert, hein, pour essayer de monter. Tu sais, l'olive, là. L'olive qui tue, tu peux essayer de casser un peu et après essayer de monter. Attention, tu vas avoir la... Ah, tu veux monter carrément ici? Ça me paraît trop court, hein. C'est pas possible. Non. Tu devrais plutôt casser vers l'olive verte. Pour faire ton trou, tu vois, avec un pompe. J'ai envie de dire heureusement, parce que c'était un coup à s'éjecter par le plafond hors carte. Ah oui. Ah oui, tu peux passer par derrière. Ouais. Tu t'organises bien, tu fais ton... Voilà, c'est bien là, je pense que tu peux. C'est la même hauteur que la barre violette. Cette partie de... d'handicapé, vraiment. Il n'y a rien qui y va, il n'y a rien qui avance. Ouais, avec une vie, du coup, tu oses pas trop. Ce sera la première partie où c'est l'eau qui va tout déterminer. Un peu plus haut, ouais. Donc Funfan va perdre. Peut-être. Couillard! Ah, la caisse qui coule. Il y a quasiment plus rien sur le truc. Vas-y, on fait que passer le tour. Ouais. Bah, toi, tu vas essayer de monter, ouais, mais. Ouais. Attends, moi, je vais continuer à détruire le décor. Toi, tu pars en tuant le décor, hein. Non, je vais faire gaffe, évidemment. Je vais détruire ce qu'il y a en face de moi, je vais... Un petit creuset. Ah oui, avec le chalumeau, là, vers le haut. C'est bien placé. Ouais, j'avoue. Ça, on va avoir une partie... Le sage, n'hésite pas à mettre le curseur de la souris bien en bas, c'est rigolo. Comme ça, on voit bien l'eau. On voit. Il y a déconnecté. Je crois que c'est Dragon Sky, non? Ouais.
Bon, il reviendra. Ils ont pas tombé. Hein. On sait. Là, vraiment, on cherche à avoir le maximum d'eau sur la map. Ouais. Et là, on va laisser... Il y a tout qui tombe. Toutes les crottes qui tombent. On peut faire une égalité en plus. Ouais, ouais. Il me semble que t'es un peu plus heureux, Dragon Sky. Ouais, heureux. Oui, j'ai perdu la connexion. Et tu l'as retrouvé dans ta poche. Non, mais ça m'a déconnecté du jeu aussi. Ah, ah. C'est la fin. N'importe quoi, cette partie. Hein. C'est ma dernière et j'en prie. C'est pour ça que je regarde le retour du sage pour voir où c'en est, parce que là j'ai plus d'avancement. Là. Je crois qu'il a dit Leonardo. Oh, ça se joue à un poil de cheveux là. Il va dire que d'eau comme McMahon. Pom, pom, pom. Mais il y a une caisse qui tombe là pour rien là. Ah bah dans le jeu les caisses continuent à tomber mort subite ou pas mort subite. Voilà. Bah coucou la caisse, au revoir la caisse. J'avoue. On peut même la voir dans l'eau quoi, tellement il y a de. Mais c'est la première fois que je fais une partie comme ça. C'est normal, on arrive toujours au niveau du soir quand par hasard la connexion ne tient plus. C'était rare, ils ont mangé la con. Non, mais ça me le fait souvent, ça fait déjà plusieurs soirs que ça me fait comme ça. J'avais expliqué une fois le sage que c'était la DSL, il y avait de la perte depuis le temps, c'était pour réinitialiser au niveau du. Non, mais moi c'est pas DSL, moi c'est carrément de la fibre. Oh là, on a quasiment plus de vue, Edgy, et on a plus que l'eau. Ouais. Oh, oh là là, le niveau de la flotte. Oh purée. Tu vas gagner, Edgy, parce que t'es un poil plus haut que moi. Ouais, je crois. Ouais. À moins que ça monte pour vous deux en même temps. Que ce soit la même. Dans le même. Dans le même. Vous êtes pas choix que de faire attendre à la place. Hein. Oh, moi je tire avec mon pistolet. Oh la grotte. Et la corde a sauté, Funfun. Ah, toi aussi tu tires. Alors, mon cher Frobose. T'es content d'avoir demandé une carte où il n'y avait pas d'attaque aérienne possible, t'as vu le résultat. Voilà. Ouais. Le baril, il va tomber. Oui, je suis content, en plus. Il va... Est-ce qu'il va exploser? Non, il s'éteint. Juste qu'il a plus de flamme parce qu'il s'éteint. Et ça, je trouve que c'est bien pensé par les développeurs. Ils auraient pu le laisser tel quel. Quand j'étais petit, je comprenais pas, mais maintenant, en grandissant, je vois que c'est logique qu'il a plus de flamme puisqu'il est dans l'eau. Mmh. Ils ont même pensé à ce petit détail. C'est vrai. Monte tout en haut. La vache, là c'est rempli d'eau. Hein. Ah bah, t'es marrant qu'il explose dans l'eau, tu sais. Le chalumeau, Funfan. On va avoir un effet évier, tu sais, avec un tourbillon force de Coriolis. Tout le monde aspire au fond. Oh l'horreur. Funfan d'abord. J'ai monté encore un cran histoire de faire de la résistance. Il reste un bout de boîte de conserve. C'est n'importe quoi. J'en ai plus de chalut. Ouais, c'est fun. C'est dans l'eau. On essaie de vous avoir tous les deux. Ah, ça devient compliqué de cadrer. Très. À la limite, c'est stressant l'eau qui monte. Ouais. C'est les dents de la mer, les gars. Pourquoi il n'y a pas des requins dans l'eau, là? Ça serait drôle. Oui, c'est marrant. Il y aurait un kraken façon vert, ça serait rigolo. Ouais, tu prends des risques. Allez, on essaye d'aller au plus haut qu'on peut là. Ah, moi je peux pas monter plus haut officiellement. Hein. C'est mort. Oui, moi je suis mort, c'est bon, t'abandonnes, je suis mort. T'as gagné. Allez, attends, jusqu'au bout. T'as gagné. Ouais, Dragon Sky, connexion. Ah la victoire. J'ai fait un prix, un capture d'écran. Ce que l'histoire dit pas, c'est qu'il a coulé à la manche suivante. Ouais. Aïe, aïe, aïe.
Bon, bah bravo, Edgé, pour ta dernière, tu pars sur une victoire. Ah, exactement. Oui, merci, merci. T'essayes de nous rejoindre, Dragon Sky, ou pas? Attends, je vais appeler un truc dans le chat. Je vais écouter directement le truc, le jeu. Vu qu'on est vraiment plus beaucoup, je vais envoyer aussi un message. Non, je vais peut-être relancer le jeu, parce que du coup... Ah, non, ok. Moi, voilà, j'ai gueulé un truc dans le chat du jeu. Attends, je vais refaire un serveur. Japon! Le sage, si tu veux, je t'apprends comment on édite, vu qu'il y a plus grand monde, comment on fait. Ça va vite, hein. Comment on peut faire dans l'immédiat, pourquoi pas, en attendant. Ouais, vas-y, je t'écoute. Alors, en fait, il faudrait que tu retrouves une... Alors, je vais regarder ton stream, parce que sinon, je vais jamais y arriver, déjà. On se met dans Party Time, il faut que tu sois dans une partie ou dans le mode exhibition, comme tu veux. Dans le mode exhibition. Enfin, non. Tu sois sur un... Enfin, il faut que tu sois sur quelque part où tu peux démarrer une partie. Il y a un gars qui s'appelle Connard. Tu veux le nom d'une carte, en fait, si je devine ton propos. Voilà, c'est ça. Mais soit tu vas sur Internet, soit tu vas dans le mode comme tu veux. C'est pareil. Du coup... Je prends... Oui. Fiche. Attends, je... avec le téléphone, je vois rien. Je vais... Voilà. Vas-y, va sur les deux WAM. C'est pareil, ça suffira. Voilà, ouais, c'est bien. Il faut que tu remettes le truc en jaune, là, machin. Tu fais clic gauche ou droite sur la map, sur là. Ouh, il y a un peu de décalage. Là, tu sais, sur la map, il faut que tu appuies dessus. Ou sinon... Tu appuies dessus. Clic droit. Rouge de la souris. Faut pas que tu choisisses une map. Hein. Faut que tu vas dessus. Voilà. D'accord. Après, tu appuies sur l'autre clic. Bon ben, moi je vais vous laisser. Bonne soirée, merci. Moi aussi également, je vais vous laisser du coup. Ok, bonne Dragon Sky, merci d'avoir joué. Pardon, on fait une édition de cartes, c'est très intéressant. Merci d'avoir joué, bonne fin de week-end à tous. Hein. Merci, bisous tout le monde. Merci. Merci. Non, tu vas rentrer dans l'éditeur, voilà. Et c'est là où tu peux t'amuser, tu vois, tu vois les différents trucs et tu peux t'amuser à faire ta propre carte. Et si tu appuies sur le cactus, là, le petit cactus qui est au-dessus de la sauvegarde, tu peux voir ce que va donner la map. Vas-y, appuie dessus. Le cactus au-dessus de la sauvegarde. C'est là où tu vois... Cactus non, oh non, là où tu vois la sauvegarde, là. Tu vois, il y a une espèce de cactus au-dessus. Il y a un machin, là, un bidule. D'accord. Tu peux appuyer dessus, tu vas voir. Voilà, et là, tu vois ce que donne la map. D'accord, tu fais des combinaisons pour avoir... Voilà. Après, tu appuies sur la poubelle si tu veux tout lever. Uh-huh. S'il y a un raid aérien ou pas. Après, tu enregistreras ta map. Et encore, je suis sûr qu'il y a des nouveaux trucs qu'il n'y avait pas à l'époque. Comme gérer les objets, ça y était pas. Il y a une grosse tête de chat. Et là, tu peux éditer tes maps. Mmh. De toute façon, il faut que je remplisse parce que sinon, on va rentrer à l'intérieur. Ouais. Voilà. Pas comme ça. Voilà. Oh mon dieu! D'accord, ah, c'est intéressant. Ah bah c'est bien comme ça. Pas le week-end prochain, ça peut laisser une semaine, même si Edgy un jour il veut faire des. Ok, bien vu, merci. Voilà, et donc on peut fabriquer ses propres maps. Peut-être que Frobos il nous fera des maps. Hein. Mmh. Ah, il est parti Frobos aussi. Oui. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est vrai qu'il avait dit qu'il devrait partir. Donc il reste ce qui reste. Ah, il reste que nous deux en fait. Mm-hmm. Ah, oui. D'accord. Ah ouais, il a fait la capture d'écran. Ah, bravo. Mm-hmm. Ah bah attends, je vais mettre une goutte d'eau pour le coup. Non, je peux pas. Ah, la texture. Oh. D'accord. Ah, c'est intéressant. J'appelle ça coin perdu. Voilà, j'ai ma carte. Je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne soirée
Et merci pour ces petits tests de Worms Armageddon, c'était sympathique. On sait que ça marche, tant mieux. Bon ben, à bientôt. Salut. À bientôt, merci. Bonne semaine par avance, à plus. À plus. À plus, plus. Non, 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 monter le nombre de jeux sur terrain, non, diminué. De fond de terrain. On va en mettre 12. Non, on peut pas en mettre autant. Non, 8, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Ah, oh, c'est mal réparti, je trouve. Voilà, c'est pas mal. Ça me plaît bien. Non, mais non, je vais pas charger. D'accord, et je peux la jouer, mon coin perdu, maintenant. Ah oui, tu peux... Ah, joli, tu... Il suffit que tu la nommes quelque chose et tu peux jouer avec. Ouais, ouais. Oh. D'accord. Je pense que ça marche même dans le multi. J'ai jamais essayé. Hein. J'ai jamais pu rester. Je ne la vois pas. Merde. Non. Non, 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 non. Faut qu'elle soit commune à tous les joueurs. Dommage. Je ne la jouer que moi en solo. Ah, c'est couillon. Ben, après, il faut l'enregistrer, la sauvegarder. Mais je pense que si, je pense que tu la mets sur le multi, ça devrait marcher. Faut juste que tu retrouves son nom en fait. Enfin, je sais pas. J'ai merdé la manip. Parce que là je la retrouve pas. Bizarre. Elle devrait être dans les noms que tu as mis là. Point perdu. Ouais, voilà. Ah, tu l'as retrouvé? Oui, oui. Enfin, en édition. En édition. Elle n'est pas dans le multi? Non, non, je l'ai pas vu. Attends. Peut-être que... Non, enregistré. Oui, bah oui. Normalement, elle est... Oh non, ça c'est autre chose. Alors, mon coin perdu. Mon coin perdu, mon coin perdu. Non, ou alors il a pas aimé mon underscore, c'est bizarre. Bizarre. Et je fais ça. Je me réorganise un truc en coup de vent. Est-ce que je retrouve ma carte? Non, coin perdu, je l'ai pas. Hein. Ah, j'ai beaucoup de décalage alors. Bon bah, pardon, puis je teste à mort le truc, mais c'est très intéressant, merci. Et si tu essayes de éditer par le multijoueur, peut-être qu'il devrait la garder, tu vois, puisque ce sera la dernière carte à enregistrer. C'est-à-dire, au mieux de le faire dans le coin que tu l'as fait, tu vas dans le multijoueur et après tu reprends le coin perdu. Comme c'est la dernière que tu as fait, il devrait la garder. Tu comprends ce que je sais pas si j'ai compris, mais tu m'as donné une idée. Merde, je vais faire une connerie, mais c'est pas grave. Ouais. Après, là, tu veux dire, quand tu vas dans les cartes, Tu devrais la retrouver comme le modèle que tu as fait, ça devrait être bon. Logiquement. Si tu la retrouves pas ici, au pire, tu la refais sur le multi. Et ce sera la dernière carte, il sera obligé de la mettre. Ah ben, tu vois. Normalement, si tu quittes, il devrait la garder. On va voir ça. Voilà. Ouais, je vais faire le test avec... avec Gary, l'ordi. Là. Oh, je peux être là aussi. Oui, excuse-moi. Oui, non, je veux juste voir. T'inquiète pas, je vais relancer. De toute façon, mon mot de passe était faux. Oui, très bien, t'as raison. Exact. On va s'en faire une. Ouais, ouais. Bien vu, merci. Mais j'ai merdé ma saisie de mot de passe, donc ça fait couillon. Voilà. LSDN. Tac, tac, tac. Big ha ha ha. Ah merde, vous avez hébergé trop de jeux. Merde. Ah ouais, ça c'est un défaut. Bah dans ces cas, il suffit juste que tu relances le jeu. Et puis... Ouais, il veut pas. Ouais. Bon, alors attends. Effectivement, je vais réinitialiser le boxon. On va recommencer. On se met un petit peu de musique en même temps. Attention, je relance le jeu, on n'a rien vu.
mon Winamp qui passe par-dessus le chat, c'est pas grave. C'est là que tu vois que le jeu, ils ont pas amélioré ça parce qu'il garde son fonctionnement des vieilles années. Il suffit seulement de relancer le jeu et c'est suffisant. Alors avec un système intelligent, ils auraient dû te réunir une journée, tu vois. C'est bête et inutile. Mais bon, eh ben oui, ils ont corrigé. Parce que là, j'ai à nouveau, il me dit la même erreur. Ah merde! C'est pas grave, on va faire autre chose. C'est dommage, Bastos nous a pas rejoint, donc on va faire autre chose en attendant, c'est pas grave. De bah, toute façon, dans une demi-heure, tu manques une. Bah, on verra, ou alors. Moi, je serais presque tenté de me refaire vroom vroom en attendant, moi. Alors. Je vais refaire vroom vroom.